Star du coup. Reparti. Pour couper les bois, pour voir un camp brûler, sans qu'on y ait aucunement responsable de quoi que ce soit. Tout mon travail parti en fumée, des coffres détruits, une amitié quasiment rompue. Ah là là, ça va être bien? Normalement, ça va être bien. Bon, normalement, si c'est pas bien, après, bon. Tant pis, hein. Un peu plus de son, bim. Vous me dites hein, pour le son, directement. Que ce soit avec les autres, quand je vais les rejoindre, ou alors que ce soit pour le jeu. On va les rejoindre maintenant. Ça va être bien. Bonjour. Se joindre à l'appel. Préviens. Allô? Allô? Ouais, j'entends. Ah! Gaston, cette petite voix. Non, Gaston, tout va bien, Gaston. Désolé Bonjour. pour le planning, Gaston. Non, ça va, ça va, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Attendez, je me mute 2 secondes. Bonjour Pantouf! Salut Lège, ça va? Ouais, ça va, ouais. Je me suis fait. Bonjour! Dans le sol. Ouais, ça va, ouais. Pardon, Luc! Mais non, mais c'est pas grave, vous m'avez juste fait manquer quelque chose. Mais bon, moi normalement, parce que je vais vous raconter ma vie maintenant. Vous voyez? Ouais, bah, voilà, pour que vous culpabilisez un petit peu. Oui, d'accord. Hier, ma sœur m'appelle. Non, m'appelle pas, elle m'envoie un message. Parce que bon, voilà, c'est plus simple au niveau de la communication, quand même, des messages, parce que t'as directement le message, quoi. Alors que quand on t'appelle, bah, tu tombes peut-être sur le répondeur, tu vois déjà. Donc du coup, t'as pas forcément un message. Bref, ça, c'est une autre partie. Mais elle m'envoie un message. Elle me dit, ouais, alors avec une photo en plus, comme ça, c'est bien explicite. Est-ce que tu veux venir à une avant-première d'un film, etc. demain? Et moi, je suis là. Non, désolé. Et moi, je suis là. Bah non! J'ai un stream de groupe, ça m'arrive une fois dans le mois, je suis des DSL, je peux mais pas. Fallait le dire. Je peux pas poser un lapin ouais, à des gens. Et à 3h du matin, 3h du matin aujourd'hui, on me dit au final, c'est à quelle heure? C'est à midi qu'on commence? C'est à midi. Avant l'aube? Moi je suis. Moi je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que normalement on aurait dû finir vers 20h, 20h30, peut-être 21h. Bah, je lui ai pas dit que c'était bon. Et je pense qu'elle a pris quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'ai tu pas voulu. Tu lui as pas envoyé un message? Non. Mais envoie-lui un message maintenant. Qu'on l'appelle maintenant là. Appelle-la en live. Vas-y, on veut savoir. Mais non, je pense. Gaston. Mais elle travaille déjà. Et j'ai pas envie de la faire avoir un choix, parce que peut-être qu'elle a demandé à une autre personne de venir avec elle du coup. Et donc du coup, elle va devoir dire ah merde. Et il va falloir mais que Gaston. Oui. Je l'appelle? Oui! Bah oui! On veut tout savoir! Yes! Allez, Gaston! Bon, bah je l'appelle! Alors, ouais, mute toi peut-être en vrai parce que. Oui, allô, du coup! Quoi, genre... Ouais! Attends, bah non! Mais moi ça me va! Vous voulez que je me mute? Non, mais moi ça me dérange pas de me mute, hein, c'est pour vous, hein, bah, vous savez. Bah je sais pas si elle donne. Si elle décroche en disant son nom complet et son numéro de sécurité. Elle s'appelle Victoria Bruyère! Voilà. Victor mute, hein. Ouais, ah, Victoria. Non, Victor, ah, okay. Exactement. Mais bon. Avec un K. C'est fait refaire 2-3 trucs. On a des très bonnes cliniques sur Toulouse. Alors, du coup. Mobile. Victoria, s'il te plaît. Oh, passe-la-moi. On peut faire ça. Bah non, t'es pas à côté de moi. Une heure le coup de fil, hein, parce que sinon, on jouera pas. Oui, ça. Bonjour, tu vas bien? Ah. Ça va, je te dérange pas? C'est déjà lancé. Non, ok, tu travailles? Oui, ah bah très bien alors. Ça va le travail? Ça va. Pourquoi les messages c'est plus pratique? Grave. C'était pour ce soir. En fait, les trois personnes qui m'avaient dit on streamait jusqu'à le tard, en fait non. Bah si t'as personne d'autre, oui, je peux venir. Bon bah ok, d'accord. Oui! Ah, maman vient aussi du coup. On dirait qu'il fait semblant. D'accord. Non, bah non. C'est semblant, non? Non, ça me dérange pas. Ah non, dis-moi qu'il fait pas semblant. Non, je fais. Non, ça me dérange pas. Non, il fait semblant. Il fait semblant, bah ça me paraissait un peu trop. Ah, donc rendez-vous à quelle heure? Ah non, il fait semblant, j'étais si heureuse. Tout ça pour me faire sentir encore plus mal. Ah non, il est au téléphone, non, je sais pas. Attends, je vais voir son live de ce pas. Non, il est au 19h15. Non, il est au téléphone. C'est fake ou pas? Gobon à 19h15. Bon, bah d'accord. Ah putain, le c'est dur. Non, mais 19h15, c'est bien parce qu'on finit à 18h30, tu vois. Donc le temps que c'est je mette un futal, bah j'arrive après. Voilà. Bah cool. À tout à l'heure, ma petite sœur, alors.
Bisous. Tu sais qu'on est sur son live ou pas? Je sais pas. Non, elle savait pas. Voilà. Donc merci. Ah, c'est bon, bah, c'est bien géré. Eh bien, c'est vrai, c'est plutôt pas mal géré. Parce que si vous n'étiez pas été là au final, bah, je l'aurais pas fait. Ouais. Et ouais. Voilà. Donc merci, merci les amis. On t'a fait chier, mais on t'a sauvé derrière. C'était. Bon, moi, pas toi, Pantouf. Je savoir si c'est vrai ou pas. Hein. Moi, je suis victime comme toi. Ouais, mais je garderai le doute, Ailey. Comme ça, ça fait une petite histoire. Là. Tu seras là, tu te poseras toujours des questions. T'as fini bien. Putain, j'aurais dû t'appeler en fait pendant que. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé? À 3h du matin? Non, mais je veux dire, pendant que tu faisais ton faux télé, ton faux. Ouvrer. Ton faux appel. Ah, yes! Oh là 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 là! Ah, j'y ai pas pensé. Pouh, mais le cerveau est tellement grand! Tellement gros de part cette personne. Non non, c'était pas vrai. C'était pas faux, pardon. C'était pas faux, c'était réel. Aïe, 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 voilà. Voilà, lapsus, peut-être révélateur. Allez, on joue. Oui, on joue. Allez. Ça fait trop longtemps qu'on a pas joué. J'ai une question par rapport au jeu. Pardon. Arrêtez. Je me sens très très mal. Pourquoi? Mais non, mais on en parlait avec Opé, on disait, on te plaignait plus qu'on te reprochait quoi que ce soit. La pauvre avec ses horaires, sa vie. Voilà, c'est vrai que ça fait. On est tous un petit peu. Voilà, mais bon. C'est pas grave. Ma vie. Ça me sorde. Il paraît que là, t'as un beau planning et tout, en fait, on te booste tout ton planning. Yes, mais vous savez, vous êtes pas les seuls. Mais il est où ce planning? Il est sur Twitter alors du coup? Non, il est pas Discord, sur Twitter, il est sur Discord. C'est vrai que Twitter, je pourrais le poster sur Twitter. Ce serait intéressant. Ça serait intelligent même, je pense, pour la communication avec les personnes aiment bien me suivre. Mais j'avoue que je n'aime pas trop communiquer sur Twitter. Voilà, je sais pas. Okay. De toute façon, j'aime pas trop communiquer de base. Voilà, ça c'est vrai que c'est. Ça va être une bonne ambiance ce soir en tout cas. Non, mais après, je peux vous raconter mes rêves aussi. C'est comme vous voulez. Ah, ça, je suis chaude. Ah bon? Attends, moi j'ai une question. Ah, bon, ah ouais, il y a un beau planning, putain. J'ai rêvé de mon papa la dernière fois. J'ai une question pour vous, monsieur Gaston Bruyère, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Me permettez-vous? Oui. J'aimerais savoir quel âge a votre sœur? 25, c'est bon. Non, parce que je comptais, je faisais la soustraction. Ok, c'était juste pour savoir. Voilà. Et pourquoi ça vous... Pourquoi ça vous intéresse? Oui. Je trouverai le fin mot de cette histoire. C'est bon, vous avez plus d'informations. Nom, prénom, âge et le travail. Et on se retrouve à 19h15 devant le Gaumont. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés... Attention. Si vous voulez faire un petit rencontre abonné... Et pour quoi du coup? Devant le Gaumont. La Belle Époque? Je sais pas. C'est pas? Non, je sais pas. Il y a un film qui a l'air bien. Dans mon chat, ça disait La Reine des Neiges 2. Non. Ça a l'air d'être un film français. Ah, parce qu'il y a un film français, la Belle Époque de... Comment il s'appelle? Nicolas Bedos? Non, il y avait plus de mots dans le titre. Ah, ok. Il y avait au moins 4 mots dans le titre du film. Ok. Ouais, je suis désolé, je me rappelle pas. Mais il y avait plus de mots, je croyais qu'il y avait plus d'homo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, deux mots, les mots. Ah, plus de mots. Je me désolidarise. Mais quoi? J'ai envoyé un truc de squad, je crois, je sais pas si vous avez accepté. Oh, mais c'est dur ça encore. C'est mon chat qui me spam. Mais vous êtes pas en squad, comment ça se fait? Alors du coup, voilà, je vous mets la pression. J'accepte. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que ça fait. Je sais pas. Ça permet aux gens qui sont sur mobile, notamment, de switcher beaucoup plus facilement d'un live à l'autre en fait. Ah, sur mobile, ça fonctionne aussi? Ouais. Mais pourquoi ils switcheraient de mon live? Bah, si d'un coup on entend Ah, Opécrot a mis le feu au camp! Tout le monde va se switcher sur le point vide d'Opécrot pour voir ce qu'elle est en train de faire, tu vois. C'est vrai. Pourquoi faire? Oui. En parlant de ça, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on recommence sur le même serveur avec le peu de ressources qui nous restait et peu de temps pour en recréer d'autres? Avant, je présume, l'hiver qui devait arriver à grands pas. Ouais, je crois qu'il reste 8 jours. Est-ce qu'on recommence au début? Moi, je suis pas trop partisan des resets, hein, parce que c'est la facilité. Hein. Je pense qu'après, ouais, tu peux prendre le réflexe de reset à chaque fois qu'il y a un... Ça casse un peu mon immersion, quoi. Quand on fait une partie, j'aime bien qu'on l'aille. Je dis ça aussi pour potentiellement, s'il y a des mercredis où je ne peux pas être là, que vous puissiez jouer sur autre chose, parce que je suis actuellement maîtresse du serveur. Comment ça? Ouais, mais après, je crois qu'il suffit que tu m'envoies un fichier et je peux devenir maître du serveur. Je peux devenir maître. T'as juste à me donner la sauvegarde, je crois. Ça, c'est facile. Enfin, je peux, ou n'importe qui d'autre, tu vois. Ok. D'accord. Voilà. Bah du coup c'est les mêmes infos que la dernière fois. Je me souviens plus. Qui sont dans la conversation. Mais si ceux qui auraient oublié. Ah oui, merci.
Mais tu comptes ne pas être là les prochaines semaines? Je compte pas ne pas être là, mais là, tu vois, vu qu'il y a des imprévus, je me dis, si un jour il y a un imprévu tout le long, bah, c'est foutu. Mais je compte être là tout le temps. Bah, on va te remplacer, alors. Non, mais je rigole. Pardon. Je me souviens plus du nom. De toute façon, c'est moi quel serveur. Le nom du serveur, c'est alors oui, ok, tout attaché. Oh, j'avais jamais vu. Putain, j'avais du mal à l'écrire alors que c'est si simple au final. Sans faute. Et le alors, okay, ok, ok. Wow. Je résume le world. Il était pas. Parce que je vois pas. Dites-moi les autres si vous le voyez en ligne. Hein, parce non, temps, j'attendais que tout le monde soit synchronisé pour pas qu'il y ait des. Mais t'as lancé sans nous. Ah, je vais juste brancher. Fuck. Je re. Elle joue à la manette? Non, 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 j'ai une manette qui est branchée, du coup ça me prend les touches des manettes, c'est chiant. Oh, je reviens. Elle dit je reviens en mode sa tour, elle est de l'autre côté de la pièce, genre. Je vois pas le serveur. Ah, non plus, oui, je te rassure. C'est launching. Launching et ça fait des petits. Je vois pas le serveur. Comme j'ai deux ordi, c'est un peu on chiant. On arrive quand? On arrive. C'est loin encore. Ça longe. Oh, il me fatigue. Avec leur voix de fragile là. Re. Oui. Alors, c'est bon du coup? Oh, c'est parti, je crois. Oh, j'ai une image. Pourquoi c'est si long, là? Loading. Encore avec des petits points. C'est bon, je suis dans la pièce. I mean, vous pouvez rejoindre. C'est bon, oh, right, c'est bon, je vois le serveur, en fait. Les amis. Moi aussi, c'est bon. Mot de passe. Est-ce que tout le monde est vivant ou est-ce qu'il y a des morts? Je me souviens plus. Je ne sais plus non plus. Je sais pas si je suis. Je sais que les coffres, nos coffres sont morts. Beaucoup de choses sont mortes dans le camp, mais. On a perdu énormément. Ouais. Ah, je me rappelle, j'avais un casque. Il faisait la je lumière. Je me rappelle que là, t'avais fait les buffles. Yes. Non. Et... Ouais, si. Donc du coup, on aura les bonnets pour l'hiver. Exactement. On a 6 jours avant l'hiver. Ah, t'avais rasé l'aige? Oui. Ah, il a sûr. J'étais même pas au courant. Ah, mais parce que j'ai été faire mon petit aventurier dans mon coin. C'est tout. Ah, mais c'est vrai que t'étais parti, tu nous as pas. Oh, bah on s'était refait un petit peu. Ouais, bah j'avais complètement oublié. Moi, dans ma tête, on avait quitté sur une sale note. Ouais. Une sale histoire. qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il nous faut une machine. Ah non, mais c'est bon, il y est déjà. Ah non, mais ça va en vrai. Ah, on a le frigo, on a les croque-pots, on a des cultures. Il faudra juste faire plus de. Là, je pense qu'il faut faire du bois et faire plein de coffres pour qu'on se mette à l'aise en termes de stockage. Plutôt du bois de birchnut. De préférence pour avoir de la nourriture pour l'hiver. C'est vrai. Après, cela dit, on aura les glaçons. Je suis déjà en train de couper du bois. Pff, mais t'es trop puissant. Si tu veux, Pantouf, si tu veux venir te battre, là, il y a les araignées qui ont rip-hop. Oh putain, ça repart. J'avais oublié ce harcèlement. Pantouf, il y a les araignées. Pantouf, il y a faire les araignées. Oh, c'est un araignée 3, 3 niveau 3, niveau 3. Et quand j'y vais pas, je me fais engueuler. Mais ne faites pas ça. Bah, c'est toi le qui a pris le personnage de sauvage. Hein. C'est vrai. Quelqu'un a un peu d'or sur lui parce que j'ai plus de lance. J'ai rien du tout. On a un problème de gold. Il me faudrait un gold. Non. J'ai rien du tout, tout est. Est-ce qu'on a trouvé le roi cochon quelque part? Quelqu'un s'en souvient? Je crois qu'il y a des cochons à l'ouest du campement. Parce que si nous trouvons le roi cochon, on a 1 milliard de bibelots d'Halloween et là il nous donnera masse or. En échange de ça. J'avais trouvé le roi cochon. Ah! Vous me battez. Je ne me rappelle plus où il est. Faut regarder sur la map, ouvrir la map en grand et peut-être qu'on le voit marqué. Bah bonne chance. Bah c'est... Si c'est toi qui l'avais trouvé, je dirais que c'est ta mission. Coupe du bois. Je vais voir s'il y a des lapins. Je peux me battre avec les... Il y a beaucoup d'araignées aux alentours. C'est vrai. Je viens t'aider. Ah, c'est toujours violent hein, de revenir dans une partie qu'on n'a pas joué depuis... Mais il fait nul en fait. Attendez. Mais oui, oui, oui. Attention. Oh merde. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Oh putain, j'ai pas de bois. Le feu, la torche. Aïe, aïe, aïe. Ah, ne meurez pas. Ne meurez pas, s'il vous plaît. C'est bon, personne n'est meurt. Je vais mourir peut-être. Oui. Tu vas mourir, Lège? C'est pas grave. Attends, mais tu es tout seul, Lège? Oui. Coucou. J'ai pas de feu. Et je suis dans des fireflies. Oh là là, mon dieu, oh, il se oui, oui, jongle entre les fireflies. Mais je vais venir vers toi, Lège. Ne bouge pas. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Rejoignez-vous, vous deux! Descends au sud! Ne t'arrête pas, ne te retourne pas, je suis là dans 10 secondes! Même pas 3 secondes, maintenant! Yes! Yes. Oh, bien joué! Ah, mais t'as le chapeau de mineur! Ouais, mais j'ai plus de. J'ai envie de taper!
Ce que tu fais, c'est que tu vas dans une cave, tu sais, les, petits, les petites mines là. Ok. Tu mines, tu prends des fleurs, des bulbes de fleurs. Opé. T'en prends plein. Okay. Et tu pourras les mettre dans ton casque. Opé, je crois que t'as balancé la squad après, qu'on est tous validés. Parfait. C'est bon, vous pouvez continuer vos conversations. Ah, t'inquiète pas. Nous échangeons la parole allègrement. Je n'ai plus. Ah, ah. Attends, bouge pas. Ah, c'est bon. Tu n'as plus de quoi? J'ai plus de sac. Tiens, t'as une hache, mine. Hache. Une hache en or. Hache le bois. Elle a lancé le stream quad. J'y arrive, putain. GG. Débile, là. Ah, c'est bon. Waouh. Attendez, j'avais un peu. Tu galères un peu là. Ah. Ouais, grave. Est-ce que tu veux qu'on se batte contre les araignées? Ah ouais, t'es full. Ouais, je suis full. Ouais, grave. Et j'ai plus de sac. Je sais pas pourquoi j'ai plus mon sac. Faire des petites trappes pour les lapins. Les j'ai plus de sac. Dans le nœud. Le nœud de corde, je manque cruellement d'herbe. J'ai genre 3 herbes, peut-être. Ah, je le vois ton sac, Lège. Et pourquoi? Alors, est-ce que t'es prête? Le bus. Tu connais les araignées ou pas du tout, OP? Il est où, je mon sais sac que ça mal. Ok, il y en a des noirs. Et elle s'approche de toi et elle te saute pas trop dessus. Pourquoi? Les jaunes, par contre, elles vont te sauter dessus. Donc il faut toujours courir. Et le but, ça va être un de nous aggro le pack d'araignées. Donc, et court en rond pour que jamais se faire toucher. Mmh. Genre, en gros, en rond, tu fais tout le tour de la toile, par exemple. Tu vois, ouais. Et tu les ramènes dans les trappes. Alors, plus des choses. Ok. C'est quoi je vais aggro. En fait, les trappes, ça arrête les araignées aussi et ça donne directement les ressources. Donc, ça les tue. Donc toi ton but ça va être de, quand j'aurai aggro les araignées... Je vais mourir de faim par contre moi. Désolé hein, genre je suis à 17 là. Okay. Aïe aïe aïe. Alors attends. Ça recommence. J'ai, sur la conversation je t'ai mis un rond où on voit ton sac. Ok, là, merci. Et j'aimerais bien trouver le roi cochon, je pense que tu nous as menti hein. Non, mange ça. Merci. Il est où mon sac? Merci. Je comprends pas, la conversation. Ça fera le Discord. T'es prête? D'accord. C'est où, j'ai mis un screenshot avec un rond rouge. Je me dépêche. Okay. C'est bon. Ok, je vais ramasser les autres. Ok. C'est bon. J'espère que je vais pas crever, mais. Pourquoi il est là-bas, mon sac? Toi, t'as rien à faire. Je sais pas. C'est à côté d'un truc. J'éloigne les araignées. Attends, descends un peu. Ok. Quand j'éloigne les araignées, toi, ton but, ce sera de récupérer les trappes, récupérer les ressources et remettre les trappes comme ils sont là. Ah ouais. Ça devrait le faire. Ok. Putain, il y a des jaunes, mais c'est trop flippant. Je n'essaye pas de les faire venir. Non. Occupe-toi juste du trap. Et tout là-bas. Et reste pas près des trappes parce que sinon elles vont t'aggro. C'est un peu stressant quand même. Oui. Oh putain, mais comment elles sautent ? C'est des putes. Mais c'est laser. J'avais jamais vu les jaunes comme ça. Et grâce à ça, on s'est pas fait bobo du tout. Comment ça, t'avais jamais vu les jaunes menteuses ? Les jaunes, j'ai pas souvenir. Ah non, j'ai vraiment pas souvenir. Ah bon ? Bah ouais. On a de l'or sur la carte ou pas? Je trouve pas. Ah oui, j'en vois. En haut à droite, il y avait le biome. Ouais. Okay. Mais j'ai tout miné. Hein. Ça repart. Non, ah bon? Non, j'en vois encore. Ok. Bah, c'est une bonne nouvelle alors. Je tourne par effroi, mais je vais me remettre en place. Enfin, j'espère. Peut-être que c'est parce que j'y suis pas allé moi-même. Mais si t'as tout miné, il est où l'or alors? Bah, il a ripop un moment. Ils sont sales. Ah. Ah non, ça repop pas l'or. Ah bon? Après, il y a plus que le roi cochon. Ouais, ouais. Les météorites? Non? Ah ouais, ça fait de l'or? Mmh. Je sais pas. J'avais l'impression la dernière fois. Est-ce que je me trompe? On peut casser le truc. Ça fait quoi après? Alors, tu vois, là il est niveau 3. Il a 3 petits blobs. Et bah, ça fait plein de toiles d'araignées et un œuf. Donc, du coup, t'as des araignées éternelles. Parce que tu peux replanter en boucle. Faudrait pas qu'on se rase, nous? Si. Hop! Et voilà, c'est replanté. Comment ça? Et du coup, ça fait le même truc en boucle, c'est ça? Oui! Putain, c'était rapide là. Vous allez vous raser? Oui, faut qu'on vous se rase. Gaston. Moi, on m'a dit non, ne trace pas. Bah écoute. De quoi? Mais si, c'est vrai en plus. Wilson, il doit pas se raser pour survivre à l'hiver un peu plus facilement. Ah oui, c'est vrai. Capitaine Pantoufle. Capitaine Pantoufle. Capitaine Pantoufle is muted. Merde! Oui, je valide. Capitaine. Je valide, c'est bien pour l'hiver. Par contre, les poils de barbe serviront pour la sorcellerie. J'ai posé la question du coup, les araignées quand vous rasez, ça fait des poils de barbe? Oui, non, ça fait des toiles d'araignée. Ah merde. Dommage. Ah, bah désolé. Désolé d'être des araignées. Par contre, du coup, ça nous a baisé notre morale vu qu'on a tué nos potes.
Oh, ça va, ça descend, mais c'est plus ma faim, moi. Je vais voir s'il n'y a pas des... De toute façon, on va retourner au campement, je pense. Je reprends vite fait des herbes parce que je suis pauvre, du coup, à cause des... Eh oui, parce qu'on avait oublié ce facteur, c'est qu'à 4, putain... Il y a plein de cochons là où je suis. On a besoin de plus manger, mais il n'y a pas plus de bouffe sur la map. Je vais me faire attaquer, j'ai pas envie de te suivre, du coup. Non, viens pas, parce que c'est beaucoup. Cochons, c'est pas gentil. Bah, les cochons, ils sont gentils, mais pas envers nous. Parce qu'on est des araignées. Si nous sommes responsables, nous devrions tous continuer à faire des beach nerd. Les arbres orange là, jaunes, pour avoir un peu de réserve pour combiner avec la viande. Moi, je suis responsable. Français quoi, bouteille. Oh, j'ai trouvé un sèche-cheveux. Je trie mes déchets, monsieur. Sèche-cheveux. Je prends du gazon et j'arrive. Un peu trop sur la map là. J'ai un lapin, mais c'est tout. En termes de nourriture acquise. Je peux aller dans les caves, c'est possible. Bah pourquoi tu pourrais pas? Je sais pas, la dernière fois j'avais ouvert une cave, on m'avait un peu engueulé. Parce que c'est le premier truc que t'as fait. Oui. Bah voilà. On n'avait pas de ressources, pas d'infos. Je prends des risques, on s'est senti démuni. Je vais peut-être ouvrir une cave, alors, bientôt. D'accord, mais elle est proche du campement ou pas? Non. Ok, bah nickel, on se fera pas attaquer par les chauves-souris alors. Yes. Ah ouais, fais-toi plein de bulbes, hein, là, tu vas voir, avec ton casque, c'est vraiment trop fort. Ah, t'as le casque à bulbes? Ouais, le casque de mineur. Le casque de ton papa. À quoi ça... c'est vrai. À quoi ça sert le suspicious ouais, marble, déjà? Suspicious quoi? Marble, là, tu sais, les... Mmh. Ah, les trucs au le milieu, genre chelou, là. Le marbre suspicieux. Qui ressemble à des silhouettes de bons hommes. Ah, bons hommes. Je sais plus. Hmm. Je sais plus. Est-ce que quelqu'un sait sur le chat? Je crois que c'est pour faire un rituel satanique, mais. Ah ouais. Mmh. Bien, alors. Faites attention! C'est vrai. J'essaye d'arriver vite. Est-ce que tu peux mettre quelque chose dans le feu du campement? Tiens, d'ailleurs, j'ai entendu une énigme sympa là sur un stream, vous voulez l'entendre ou pas? T'as la réponse? Oui. Oui. Ok, alors. Alors. C'est 4 nains. Alors, j'aime pas les énigmes avec les nains, mais bon. T'aimes pas les nains? Oh, ça m'énerve un peu. surtout les énigmes avec les nains. Les nains, ça va. Enfin, les nains, attention, les nains de fantasy, hein, pas les nains dans la vraie vie. Hein, les nains dans la vraie vie, rien contre eux. Ouais. Attention. Ouais, ok. Je trouve que t'es en train de te justifier. Il est sad. Mais oui, mais parce qu'il t'aime pas les nains, comme si j'avais fait une faute. Mais il a raison. Alors, c'est 4 nains qui vont à la mine. Okay. Ouais, alors super, on la connaît cette histoire. Non, justement, c'est pas l'énigme qui dure 3 ans là, qui fait chier. Hein? Et il passe dans le jardin de Jean-Michel pour aller à la mine. Et ça fait chier Jean-Michel. Okay. Et un jour, Jean-Michel met une clôture à son jardin. Mm. Le chat ne répondait pas, ne spoilait pas. Ne spoilait pas le chat. Hein. Donc il met un. Une clôture. Il met une clôture, le lendemain, il est arrêté. Mm-hmm. Pourquoi? Les gens qui savent, ne dites pas dans les chats, ne regardez pas. Est-ce que Jean-Michel est un nain? Ils se sont empalés, non. Non, j'ai pas écouté, j'ai compris qu'il y avait un nain qui avait été arrêté, parce qu'il a mis une clôture. Non, il y a 4 nains qui vont à la mine, tous les jours, bosser. Et ils sont obligés de traverser le jardin de Jean-Michel. Ok. Jean-Michel, ça le saoule, un jour il met une clôture à son jardin. Même question que Leg, du coup. Il a dit quoi? Jean-Michel est un nain? Non. Et donc, OP, pour finir, il met une clôture. Il met une clôture pour que les nains arrêtent de passer dans son jardin et le lendemain il se fait arrêter par la police. Pourquoi? Bah moi j'ai bien envie de te dire que bon bah il est côtier et en France on est obligé évidemment de laisser le passage côtier public, c'est-à-dire que si t'as envie de se balader dans le paysage. Non mais c'est vrai. Non mais c'est pas ça. Non. Genre c'est vrai. Non. Je comprends pas. Pourquoi ils sont nains, déjà? La merde dans les coffres, je suis désolée. Attends. Faut que j'en refasse d'autres. C'est comme ça. Est-ce que son prénom a une importance à Jean-Michel? Non. Non, je pense pas. Il aurait pu s'appeler Frédéric. Bernard aussi? Oui. Ok. Est-ce qu'ils étaient obligés d'être nains? Est-ce que la police, c'est la police des nains? Non, c'est la police d'État. Rien de plus classique. Ouais, la police d'État, ouais. On la connaît, celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Sûr. Est-ce que c'est une vraie énigme? Oui. Oui, une vraie réponse tout à fait rationnelle. Oh, rationnelle. Oui, bah ma réponse. Rationnelle, c'est peut-être un peu exagéré. Ouh loulou.
Pourquoi a-t-il été arrêté? Quelle faute a-t-il commis? La mine était sur un sentier côtier, je vous dis. T'es sûr? Non, c'est pas ça. C'est très beau, c'est mais sûr. C'est pas ça. Pour qui le sandwich? Prends-le, mange. Oh, merci. Pour quel motif a-t-il été arrêté? Pour sa clôture, je présume. Quoique non, peut-être même pas du tout. En fait, vous ça a peut-être rien à voir du tout. Parce qu'il a trompé sa femme. Non. Yes. C'est... Ah non. Okay. Parce qu'il a tué des nains en faisant la clôture. Il a été condamné pour détournement de mineurs. Oh merde. Ça va, elle est bien, hein. Ouais, ça va. Ah, elle est bien, hein. Quelqu'un a un son poète-poète ou pas? Ah non, mais elle est bien. Bon petit malingueur. C'était bien. Ah oui. Eh ben, on se sent revigoré, hein. Allez, une autre énigme. Vas-y, Gaston. Ah, moi? Oh non. Gaston, il fait pas d'énigme, il fait que la loi, lui. Je suis là. Enfin, attention, c'est le moment où le chat va commencer à lâcher une masse blague. Je peux manger les boulettes, télé? Oui, j'ai fait pour toi. Oh. J'ai récupéré mon sac. Mange tout. Bien joué. Merci. Je vais faire des légumes avant l'hiver parce qu'après ça va être nul. Faut aller ramasser du poupe. Je ramène des champignons. Ne dites pas merci, hein. Tu ramasses quoi? Ça dépend de la couleur du champignon. Rouge. Aïe. Ah bon? Non, je sais pas, je les connais pas. Ah ouf. Ok. Juste mettre un petit coup de pression. moi j'ai plus rien. Moi je suis super loin de chez vous. Je crois Pantoufle, soit il a oublié qu'il était mute. Non, j'ai rien oublié. Je vous écoutais. Des énigmes. Ouais. Non. C'est la des seule. Des énigmes. Mais pourquoi t'as que seule énigme? Allez. Est-ce que vous faites des beach nerds au moins? C'est une énigme. En train de casser du bouet. Ça va. Je suis en train de ranger le sèche-cheveux dans les objets trouvés. C'est-à-dire par terre? Ouais. Il y a un ramassis de merde par terre. Ah, Lège, t'es allé dans une cave? Non. Il y a des chauves-souris? Ouais. Oui, j'ai vu des chauves-souris moi aussi. Mais elles m'ont agressé sauvagement. Et je vous jure, c'est pas moi. À proximité du camp, c'est pas normal, Lège. Non, mais c'est pas ces chauves-souris là, ça m'a fait une animation de chauves-souris, genre en mode. Ouais, sur mon écran. J'ai chauves-souris noires sur mon écran. J'ai ouais, full flippé. What? Ah, j'ai pas eu ça, moi. J'étais en train. Qu'est-ce que c'est? J'étais en train de couper des birchnuts. Moi aussi. Ah, t'as peut-être un lien. Ah, c'est peut-être. C'est peut-être une énigme. Je crois qu'on a réveillé. C'est peut-être une énigme. Non, c'est peut-être une mise à jour du jeu quand on fait. Hein? Quand on a trop de mauvais karma, vous savez que ça fait pop un élément négatif. Peut-être ça, non? Peut-être. Ah, peut-être que je me fais des films. Tu sais, quand on coupe trop d'un arbre, l'arbre il devient méchant. Bah ouais, mais on l'avait déjà vu dans cette save, l'arbre méchant, tu te souviens pas? Ouais. Bizarre. Et il était pas là. Vous avez des bizarres? On saura jamais, je pense. Non, ça c'est sûr. On est tellement con. La vie con. Est triste sans énigmes. La vie est moins bien, c'est vrai. Je me sens pas stimulée. J'ai envie d'éclater une top. Je suis très fière de moi. Je me sens pas stimulée de la cervelle. Oh, fais du bien. Réussite. Prends les petites baies, pipi. Bon, je ramène full truc. À la baraque. Je pose tout par terre, hein, comme d'hab. Putain, ouais, j'ai remarqué, ouais. Vous plaît. Après qui va. Non, c'est toi qui recommence. Oh non. Alors demande. J'ai plus de place. Est-ce que quelqu'un a du caca? J'ai rangé un caca dans un coffre, mais c'est tout. Range pas les caca dans les coffres. Oh, j'ai trop de trucs, je rentre. Faut deux au moins. Bon, j'ai un caca, personne a du caca du coup, pour aider. Bah je vais aller chercher du caca. Il y a quelqu'un qui a fait une blague raciste sur mon chat, j'ai failli y aller à haute voix. Fou lolo.
Oh là là, le streamer débutant. Et... Ouais, c'est pour ça. Bah, bien sûr. Mais j'ai lu la première partie, la deuxième partie, je l'ai pas lu, mais j'ai fait. Ouais, c'est pour ça que je ne lis plus du tout mon chat, moi. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Eh, plus de problème de racisme si je le lis pour. Bah ouais, hein. Attention, il va faire nuit. À façon, je le dis au cas où, parce que comme je suis un peu. Oh, merci, merci. Bah, merci pour l'info. J'ai 6% de torche. Ah ! Moi, j'ai. Ah, je panique. Mais je vais le faire. Faites du feu au camp, s'il vous plaît. Merci. Quelle belle barbe. Du feu. C'est bon, non? Alors, 4, moi j'ai... 3, 2... J'ai plus de torches. Oh putain, Dieu bénisse. T'es où? Quoi? Je suis là, je viens d'arriver. Dieu bénisse. On sait pas quoi, mais qu'il le bénisse. Est-ce qu'on peut avoir du rasoir, s'il vous plaît? Oui. Oh là, mais tu fais que demander des choses, hein, je remarque. Attends, j'en ai un de rasoir. Je drop 22 bois. T'as du rasoir? Attends, attention les mains. Oui. À droite. Et je suis pas sûr que les graines... Ça, alors. Taisez-vous! Hein? Taisez-vous! Ok. Non, je suis pas sûr que les graines se soient bien de mettre au frigo, hein. On s'en fout un petit peu. Hein. Ah, c'était moi? Ouais. Je pense qu'il y en a trop de graines. Mais dis pas ça, après il va reposer tout par terre. Bah oui, pour une fois que j'avais posé un truc dans le frigo. J'étais là, j'avais fait un petit peu ma part de travail et non, au final, bon bah. On pose tout par terre. C'est tout. Hop. Pourquoi t'as qu'un œil? J'ai plus ça va, plus les coffres montent. Pourquoi y'a des carottes au sol? Gaston? Gaston, c'est pas normal ça. Les carottes, c'est pas par terre. Ouais, mon cerveau, il est tout rabougri. J'ai une couronne de fleurs, moi. Mais qu'est-ce que je fais? À l'aide. Je vais manger. Qu'est-ce qui se passe avec la pose des coffres est complètement chaotique. Oh. Je ne peux pas les aligner. J'aimerais que la personne qui possède le rasoir m'en prête la garde. Aux dernières nouvelles, c'était Gaston. Putain, je l'appelle Gaston à cause de vous. C'était Lège au dernier. Bonjour. Nouvelles. Baston. Hey, regarde, il est là, oh, il est juste. Il est au sol. Vous voyez. Ah. Oh. Tiens, on fait, tiens. Ah, mais comme tu es une araignée, quand tu traces, c'est de la soie directement qui tombe. Incroyable. Oui. Paf. Mais pourquoi t'es une araignée? Vous êtes deux araignées? Oui. Depuis le début. Vous êtes sûr? Ça t'est arrivé quoi. Oui. Bon, ok. J'en parlerai avec... Gaston? Oui. Hey, l'assemblée. Tu veux le rasoir? Non. si tu veux. Non, bah, oui, mets-le dans un coffre sinon. Oui. Ouais, voilà. Faut qu'il garde sa barbe lui. Aïe aïe aïe, t'as pas le droit. Mais d'ailleurs, vous aussi, peut-être qu'il va pas besoin de vous raser hein, pour le froid, hein. C'est bien. Hein. Je sais pas si ça change. Et ouais. Ouais, erreur. Du coup, hein. On perd des jours d'optimisation de. De toile d'araignée? Oui. Ouais, mais on en trouve sur les araignées. Je veux pas le savoir. Mais elles sont des araignées. Ça m'intéresse pas. Parce que je te rappelle que les araignées, tu veux pas les taper. Boulette, pardon. Mais ah, coup. Quand même, j'ai mangé boulette. Ah, je vous fais de la boulette en masse, hein. Faites-vous plaisir, là, j'ai pris tout, là, je vais cuisiner. Qu'est-ce qui se passe avec les coffres? Bah, on va les brûler. On a quand même beaucoup de toiles d'araignée. Ah, c'est rigolo, ça. Oui. 3 jours avant l'hiver, messieurs, 3 jours. C'est vrai. Il faut du bouet. Si vous n'avez pas un bonnet dans votre sac, vous êtes en faute. J'ai pas moi. Oui, j'ai pas. Et il vous faut une pierre thermale dans l'onglet survie, la corde. Oh. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à la confection de ces objets? J'en ai une moi. Débrouillez-vous. Oh, c'est pas bête. J'ai pas de laine. Pantouf va le faire. Merci Pantouf. Non. Attends. Alors Lège. Merci Pantouf. Est censé avoir tondu des buffles. Oui. Où est la? Bah dans les où coffres. Est la laine dans les coffres. Ouais. Mais attends, mais tu les as tondus après ou avant que à votre brûlé? À votre avis. Oh non. Il y en a, moi il y a 27 de laine là dans un écho. Oh, quelle chance. Okay, c'est là oh bah bon, nice. C'est bien. C'est la bonne. Attends, c'est quel onglet, ah, si, le truc la de la pierre? Moi oh, ouais, j'ai un skin de thermal stone, vous allez tous être jaloux. Wow. Ouais. Pute, look, pardon. Look, je vais la poser, personne me la vole. J'ai posé une pierre thermal stone pour qui veut. Regarde la mienne. Mais il en faudrait 4 en fait. C'est une pierre lune. Oh waouh. Elle a moi. C'est... Ah donne. Eh ouais, fallait pas. Tiens, donne ta pioche. J'en fais une autre. Faut faire des bonnets aussi. Mais mon skin il est mort du coup. Oh, il est trop bien. Bon, on dirait un peu un caca, mais... Non, mais je le rends. Je t'avais rendu la mienne, idiote. Hein? Ah oui, moi j'ai pas de... C'est gratuit. Tu
super. Comment oui, du coup, lèche ta pierre thermale ou je te la fais? Tu peux me la faire, c'est cool. Je la fais. Merci. Je suis un mec plutôt sympa. Oui. Comment on tond des buffles? Avec le rasoir, mais il faut pas qu'il... Oh là là, ne fais pas ça, malheureuse. ne t'aventure voilà. Pas là-bas. Elle est posée près de la tente, lège, quand tu voudras. Merci. Et un bonnet, je peux avoir aussi un bonnet? Ah, le bonnet, je pense qu'il va falloir continuer à tondre des buffles, parce que j'ai vu que 27 pots... Bah non, 27, c'est tranquille, il en faut 4 pour un bonnet. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai dit de la merde. Par contre, il nous faut alors, 16 toiles d'araignée au total. Lège, tu veux un bonnet genre Noël avec un pompon blanc et de la moumoute blanche? On peut choisir. Ou est-ce que tu veux, bah parce que moi j'ai un skin, ou est-ce que tu veux un bonnet de lutin? Genre il est vert et il y a le pompon qui y pendouille. Non, je veux le lutin vert. Ok, c'est parti. Mais moi aussi. Et bah je vous l'ai fait les lutins. Oh oui, je veux des lutins. On est full lutin. Trop de skin, bah j'en ai qu'un. Hein. Ok. Non mais avec entre la pierre thermale et ça, c'est cool. Eh oui. Du coup, je fais 4 lutins. Pour le lutin. 4 putains. Lutin. 4 bonnets de lutin. Ouais. Des putains ou des lutins, j'ai pas bien compris. Ouh là 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 là. Mais je sais lutin, pas les putains. Bon bah du coup, pantoufle, t'auras pas de bonnet. Hein. Ça c'est pour m'avoir enlevé ma pierre tout à l'heure. Il y en a qui ont relevé quand même le bonbon qui pendouille, ça a un peu surpris. Ouais, excusez-moi, j'ai... Voilà. Des fois je pense à des choses. Alors c'est moi qui on doit bien s'amuser chez Twitch. Vous vous insulter là, vous avez l'esprit vous dites des bonbons qui pendouillent, vous pensez tout de suite à des quoi voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Mais je sais pas, je me fais insulter de lourd alors que c'est vous les lourds là avec les bonbons qui pendouillent. Si. En fait, c'est un lapsus. On a pas le droit de dire pute. Pardon. Pute. Il nous faut de la poupe. Chercher de la poupe. Ouais, j'en ramène aussi un petit peu, il y en a déjà dans des coffres. Et je vais aller faire pipi, je reste près du feu du coup. Tout de suite. IRL ou le vrai pipi? Oui, bah, je vais pisser, hein, tranquille. Non, mais je me suis rendu compte après qu'on faisait pas pipi dans le jeu en fait. C'est une info que j'avais oubliée. Ouille, ouille. Bon, je vais chercher de la crotte. Hein. Tweet, tweet, tweet. Oh non! Y'a Badger qui est en train de se faire kill! Ah, il part de son sac. C'est comment il s'appelle le sac? Il s'appelle pas Badger. Hein. Badger, c'est un personnage dans Breaking Bad. Yes, parce que je regarde Breaking Bad en ce moment. Donc du coup, forcément. T'avais jamais vu? Bah en fait, j'avais regardé les premiers épisodes quand j'étais tout jeune, quand c'était sorti. Mmh. Et puis après, évidemment, la vie, tu sais, te fait détourner de certaines occupations parce que bon, il y a plus de choses importantes qui rentrent en compte, comme une copine. Et donc du coup, j'avais arrêté de regarder. Mmh. Et là, je me suis remis un petit peu à des séries parce que j'avais pas grand chose à faire pendant un petit moment. Et donc, du coup, je me suis regardé Breaking Bad et je suis actuellement à la saison 3, 4ème ou 5ème épisode. J'ai fait un rewatch intégral il y a quelques semaines. Et effectivement, c'est pas mal, même s'il y a quelques épisodes quand même que j'ai trouvé vraiment moins bons dans les saisons 2 dans les saisons 3. Tu vois, vraiment, alors que dans la saison 1, j'avais trouvé que tous les épisodes se valaient plus ou moins avec certains qui étaient un peu plus qualitatifs. Mais là, dans la saison 2. Bah, il y a eu des moments où j'étais là, bah, j'ai pas forcément envie de regarder la suite ou quoi que ce soit, ça m'avait un petit peu. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. J'ai jamais ressenti ça, moi. Ok. Non. Et pourtant, je suis très très bon client. C'est l'épisode de la mouche. Je sais pas si tu l'as vu, je pense pas. La mouche? Ouais. C'est un épisode assez connu, la mouche, tu verras. Ok. Là, justement, c'est un épisode où ils avaient pas de budget du tout, du coup, ils ont fait un espèce de huis clos. 2h30 en gros plan sur une mouche. C'est voilà. Ça, quasiment. Yes. C'est assez spécial. Non, là actuellement, il est en train de, il a retrouvé un labo, Walter, et il a un nouvel acolyte, avec qui il fait du café. Voilà. Yes. Ah oui, c'est là que les choses sérieuses commencent. Ah bah là, oui, là ça commence à être sérieux, effectivement. C'est Z-Lab. Ah ouais. Z-Lab. Avec, comment il s'appelait Michel. Gail Badiker, je me rappelle. Gail. Ouais, c'est Michel pour moi. Un espèce d'un petit, un original. Voilà, désolé. Oh oui, hein. Ça va, vous allez bien? Ça va. Sinon, je regarde l'équipe du soir aussi. Bon, c'est autre chose. Aïlé, elle passe sa vie sur les araignées, quoi. C'est un truc de ouf. C'est ton obsession. J'étais pas très très bien parce que je les ai attaqués la nuit. C'est ton objectif de vie. Bah oui, mais. Et grâce à qui on a eu des super bonnets, grâce à ces 8000 toiles d'araignées? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il nous faut également maintenant, pour l'été, on a les pierres thermales, elles vont s'user à chaque fois qu'on les recharge. Oui. Il nous faut des kits de couture.
Pour ça, il nous faut des toiles d'araignée. Encore, encore et encore. Et voilà. Des dents de chien, mais des dents de chien, mais je sais pas si on en a. Tu fais ton travail. Oh, hein, j'arrive. Trop oui, tard. Bah j'ai fait des réserves de beach nerd. Faut aller. Irel ou. <J'en sais>. Moi je vais manger, les gars. Bah, c'était bien. Attends, du coup, je récupère tous les trappes et on va au. Araignée d'en bas. Ok. J'arrive. Je te vois sur la carte. On a combien de nids en bas? 2 nids. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont niveau 3, non? Pourquoi j'ai fait ça alors que j'aurais pu les laisser? Ils seraient conservés. Quel débile. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, en vrai, on est bien dans la partie là. Hein. Je suis débile, j'ai récolté les trucs alors que je peux pas les stocker, quoi. T'es sûr? Parle-nous. T'as récolté quoi? Tu peux pas? Blanc. Et si tu pas si sur tu... les petits plans là, les petits trucs là? Les berries? Ah, on a pas de stock dans le frigo, bah, tu fais des boulettes. Si tu veux faire de la place, tu fais des boulettes. Fais avec les légumes qui sont tout seuls dans leur slot. Comme ça, tu libères une case entière. Yes. Une viande, 3 légumes, OP. Mais pourquoi vous stockez les graines d'arbres là? Parce que je les ai enlevées. D'accord. Mais non, les graines d'arbres, tu parles des birchnettes? Ouais. Ah oui, ça, parce qu'on les stocke, parce que ça fait office de légumes. Merde. Ah. Il faut les faire cuire juste. Tu peux pas les cuire tel quel. Il faut d'abord. Je plante plus rien. Les cuire seul. Et pour l'hiver, c'est cheaté. Ouais, c'est bien. Rien, ouais. C'est vrai. Si, l'hiver, il y a la glace. Oui. Et ça, c'est cheaté pour faire la bouffe. Ah ouais? Ça fait office de légumes, la glace. Tu mets 3 glaces en viande. Ok. C'est bon. C'est d'ailleurs un peu pété. À une époque, c'était pas possible. Et ils ont patché ça et les gens ont. Bah maintenant, c'est trop. Maintenant, c'est trop facile. L'hiver, t'as masse bouffe. Oh, j'arrive pas à faire à manger avec ça. C'est OP. OP? Tu attaques? Moi j'arrive pas à mettre les beach mulch trucs dans le. Les, oui, parce qu'il faut d'abord. Je viens de te l'expliquer. Il faut d'abord les faire cuire. C'est le moment où je commence à crier sur OP. Il faut d'abord les faire cuire individuellement et ensuite tu peux les mettre au croque-pot. Ah oui, c'est vrai. Bon, hop là. Bon, voilà, quel boss. C'est pas simple. Tout est calculé. Comment, pourquoi il faut chasser avec toi, avec Ailey? Mais oui, comme ça on perd pas d'HP, c'est trop bien cette strat. Bon, après ce sera bon. J'ai full champi. Le truc c'est que ça nique les pièges, ça coûte quand même pas mal de ressources. Oh mon dieu, mais c'est l'opulence. Bah il y a deux nids quoi. Après bon, les pièges ça coûte pas grand chose hein. Attends, faut le casser lui. Ah ouais. Attends, bah t'es oui, dans il la, est niveau t'es 3. T'es dans la surenchère. Mais parce que si tu le casses, après t'as un œuf. Et si tu le casses pas, il devient la giga araignée de ses morts là. Ouais, qu'est-ce que. Comment ça? Ouais, pourquoi faire? C'est jamais... J'ai jamais vu ça par contre. Il se passe quoi? Bah, j'ai cassé l'œuf et il y a 2 araignées qui sont sorties de l'œuf alors que. Ah, c'est vrai. Pourquoi t'as cassé l'œuf? Parce que comme ça, on peut le replanter. Ouais, après tu perds un nid, un truc level 3 qui quand même te permet d'avoir pas mal de. Faut ouais. Peut-être. Faut voir. C'est quand le... J'allais dire c'est quand Noël, oh là là. Moi je veux pas c'est risquer quand, de... L'hiver bah c'est bientôt je crois. Je veux l'hiver, tu... quand tu mets ta souris en haut à droite sur la saison, t'as le décompte normalement. Hmm. Qui s'affiche. Ah oui, 2 jours. Oh là là. Deux jours bientôt. Avant l'hiver. J'ai toujours pas mon bonnet. Bon bleu. Normal, je te l'ai pas fait. Et ouais. J'ai le tien sur moi, Gaston. Ah, merci. Le bonnet lutin, qui pour douille je le veux aussi. On dit s'il te plaît. S'il vous plaît. J'allais le dire. Le mot magique. C'est ça le mot magique? Bah de ma maman, oui. Ah d'accord, ok. Après chacun... Sa culture. C'est quoi pour toi, Gaston? Télécommande. Mais bon, c'est... Écoutez, on n'a pas les mêmes familles. Encore une fois, chacun sa culture. Oui. Télécommande, merde. On juge pas. Alors. J'ai pas compris le coup de la télécommande, mais. Je sais pas, c'est absurde. Et ma boule est. Ah, c'était Camelox, quoi. Je sais pas trop. Ouais, peut-être c'était sa famille, son papa qui lui demandait la télécommande pour changer de programme, je sais pas, ça l'a traumatisé. Des fois, il faut juste laisser couler. Je mets près du feu. Vos bonnets de lutin. Ah, waouh. Ça n'a sympa truc. Oui, ça fait peur, je suis d'accord. Putain, j'ai trop de toiles d'araignée sur moi. En plus, ces genres de trucs, ouais, t'as dû le choper pendant la Saint-Patrick ou je sais pas quoi, non? Bah, je sais pas où.
mais c'est là en tout cas. Donc voilà. Coup de gelée. Ouais, parce que le jeu, ils sont malins, hein. Ils t'offrent des skins quand tu te connectes à certaines périodes. Et oui. Pour te faire revenir, c'est très malin de leur part. Ou aussi, ils font des, tu sais, des loteries de skins quand tu regardes le jeu. Ouais, 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 pour ceux qui regardent. Ça, c'est trop smart. Ça, c'est bien pensé. Ouais. C'est des boss. Ils sont futés chez Clay. Oh, et puis t'as vu la boutique qu'ils ont ? Si t'es vraiment, t'aimes vraiment Don't Starve, il y a une boutique d'objets. Oh. Ouais, ouais, j'ai... Ah, t'as craqué. Peut-être une victime. Un peu cher, les trucs. La nuit arrive. Oui, mais j'ai une peluche Chester. Ah ouais. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, ouais, je voulais l'acheter. Putain, 60 ou 80 balles. Bon. Quoi ? Non, je crois qu'elle est non ? Bon, il y en a après, d'autres moi, trucs. Je l'ai, ah, bah, 50. Je l'ai depuis longtemps. Ouais. Comment ça, 50 ? Oui, c'est une longue histoire. D'accord. Arrêtez, je veux pas entendre. Très désagréable quand vous parlez. C'est vrai que c'est horrible. Hein. Très, c'est anxiogène. Désolé. Pardon. Alors les coffres, est-ce qu'ils sont un peu organisés, vite fait hein. Vite fait, très vite fait. J'ai une question. Comment on fait déjà la nourriture qui régène les HP ou la Alors je crois que c'est 3... Une Beechner, 3 berry ou l'inverse. 3 Beechner et une berry. C'est pour les HP ou la sanity, ça? Ah, ça c'est les HP. Je vais chercher une recette de Sanity. Et donc du coup, la Thermal Stone, comment on l'utilise? Quel est son pouvoir? Que dois-je faire avec? Elle emmagasine la chaleur quand tu es près d'une source de chaleur. Okay. Et tu vois différents stades de... Donc soit elle est jaune, soit elle est orange, soit elle est rouge rayonnante. C'est quand elle est rouge rayonnante, enfin comme ça là. Que tu peux rester le plus longtemps loin d'un feu sans avoir froid. D'accord. Et quand voilà. Je suis... Et quand elle perd sa chaleur et à un moment elle devient grise, bah là t'es plus protégé du froid, il faut vite mettre ton bonnet et rentrer à la base ou te faire un feu. Ok. Et la recharger. Et durant l'hiver, donc à chaque fois que je quitte en fait une source de chaleur, c'est la merde. C'est ça, bah c'est ça. C'est ta réserve d'oxygène entre guillemets, tu vois. Super. Et elle marche aussi l'été, c'est ça qui est important. L'été, c'est l'inverse, tu peux faire des feux endothermiques, c'est-à-dire des feux qui font du froid, et ta pierre de thermale, elle fait le même taf, elle accumule le froid, et elle fait, après tu peux partir de loin du camp et pendant quelques temps sans mourir de chaud. Ok. Voilà, c'est l'explication chiante. Ah non, ça va, c'était ok. Pantouf ! Oui ? Il y avait une recette avant avec des brindilles pour augmenter la sanity. Ah ! Tu te souviens ? Je me souviens plus ce que c'est. Ça me parle, des brochettes de je sais pas quoi. Non, c'était pas des brochettes, moi, que je faisais. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Putain, en tout cas, moi j'ai fait dodo. Mais qui c'est qui met tout par terre ? Ça y est, il est reparti dans ses trucs compulsifs là ! Mais c'est Gaston ! C'est bon ! Y'a un frigo ! Que tu jettes des trucs par terre, ok, mais pas les carottes et les champignons, tout ça ! Ça, j'ai pas. Merde, les champignons, c'est vrai que c'est inconsommable, faut pas que je les mette dans le coffre, je suis débile. Berry, champignons. D'ailleurs, on a trop de trucs. C'est ça qui est chiant avec c'est okay, la ferme. C'est dans le frigo. On peut pas faire deux frigos. Si, on peut. Hein. Si, mais si, on peut. Attendez, mais pourquoi le bonnet il perd de l'efficacité ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ouais, il de la durabilité. C'est pas l'hiver encore. Ah, ouais, ouais, clairement, faut pas. Ah, le merde, mettre. D'accord. J'ai fait cette erreur. Ouais, oui, bah c'est bon. T'inquiète, c'est pas. C'est pas un reproche. J'ai envie de mettre mon bonnet. Attends, on a 24 champignons rouges, mais c'est incroyable. Ah, c'est leg, hein. Waouh! Ah, c'est vraiment le. The Farmer. The Farmer, quoi, l'aventurier. Tu peux quoi faire? Je trouve pas mes recettes à base de brindilles. Tiens, ce que tu peux faire, je te donne des écroutes et tu nous fais un deuxième frigo, ce serait incroyable. Non, merci. T'as les engrenages? Yes. Ah ouais? En train de regarder pour. Ouais, on a de quoi faire. Ouais, ouais. Attends, c'est pas la recette. On a plus d'or, je crois. 2-7. C'est la recette. La recette du frigo, je l'avais il y a 2 secondes. Il me faudrait un petit peu de nourriture. Ah oui, c'est en bas. Ouais. Genre 2 or, 2 engrenages et 1. Ah ouais, on a pas l'or. On a pas d'or. On a si pas on d'or. Si on trouve le roi cochon, on se met full or quoi. Oh ah, je suis sûr que mais je non, l'avais il faut vu. Des patates. Comment on a des patates? J'ai bu. Jamais eu de patates dans ce jeu. D'ailleurs, vos pierres thermales, attention, si vous les avez sur vous, elle va s'user pareil à chaque fois que vous passez près du feu. Donc il vaut mieux la laisser, je pense, à merde. L'écart. On les met, moi je les mets près du champ de patates. Ok. Je suis comme toi. Bon du coup Maman, il faut de l'or. Des patates. Faudrait que je mange. Il faudrait que Aucune je dorme. Comment on fait les patates hein. À mon avis ça pousse sur la ferme. Non, il y en a oui c'est sur la ferme. Ouais.
Faut que tu manges. Ah bon, on a masse boulettes, hein. Les patates. Ah bon? Dans le frigo? Ah ouais, ouais. Bon, ça va, les potes. Ou par terre? Frigo, non, mais il y a de quoi cuisiner, hein. Après, mais... les gars, vous pouvez cuisiner vous-même. Je une viande, trois légumes. C'est une recette la plus. Aïe, aïe, aïe. Pantoufle qui dit allez vous faire foutre. J'ai pas voulu le dire comme j'ai ça, entendu. Mais. Et non. Mais j'ai l'impression que vous avez souvent faim alors qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. C'est pour ça que. Il y avait des meatballs au frigo. J'ai mangé. Ouais, ouais. Moi, je me casse. C'est mort. Ouais, il faut ranger les... Je vais essayer de ranger, d'organiser les coffres là. On peut pas tout faire, hein. On peut pas farmer et organiser les choses. Désolé. Il pleut. En vrai, c'est vrai que c'est le zbeul. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est le bordel dans les coffres. Ah oui, bon, j'ai arrêté, hein, moi, ça m'a... Non, il faut partir sur... Je vais essayer de faire une organisation. En général, moi, je fais premier coffre, bois, deuxième coffre, minerai, troisième coffre, loot d'animaux. Bah, tu mettras des panneaux, hein. Ouais. Je veux des graines. Elles sont où, toutes les graines? Elles sont parties où, toutes les graines? Elles ont été jetées? Elles sont là, au sol, là, regarde. Ah, d'accord, ok, super. Alors, on s'énerve pas. Bah super. Alors. Je peux pas faire une quatrième ferme. Sachant que la ferme, c'est ce qui nous casse méga les couilles avec les légumes uniques. Mais c'est parce que toi t'aimes pas les légumes. Qu'est-ce que tu fais chier tout le monde avec tes goûts? Toujours là, ça des... pas de légumes, ça râle, ça veut que des meatballs, là on dirait un enfant de 6 ans. Bah oui. Mais parce que ça rend masse. Ça rend masse bouffe, les meatballs. Et bah, tu sais quoi? Regarde-moi bien. Regarde bien. Faire trois fermes. Regarde bien. Je regarde. Paf. Voilà. C'est tout. Pas drôle. Et on va mettre des phytos par-dessus. Alors. Je vais me vider. Attention, organisation du coffre en cours. Vous êtes pas prêts. Donc c'est simple, après quand vous rangez, vous ouvrez le coffre, vous voyez que ça correspond pas à ce que vous voulez ranger, vous cherchez un autre coffre. Du coup j'ai du caca, je le pose à côté le temps que... Yes. Que tu... Le temps que je range. Il y a une personne qui m'a l'air d'être un peu loin du camp. Non. OP. Je suis parti à l'aventure, moi, c'est bon, je cherche de l'or. Vous voulez de l'or? T'as du feu? Ah, si tu trouves le roi cochon, OP, t'es la meilleure. Tu veux que je trouve le roi cochon? Ouais. T'as une torche? Oui, merci. C'est bon, je peux faire quoi du coup? Vous aviez... Bah, parfait. Vous aviez l'engrenage, je crois, et c'est tout. Et c'est bon, on peut le faire. J'ai deux ors. Voilà. Elles sont où les meatballs, en théorie? Que t'es censé être dans le frigo? Dans le frigo. J'aurais peut-être mangé. C'est ok. Ah mais les trucs de beer shot, ça fait un sandwich. C'est pas des meatballs. Trois bitchnert, une viande, ça fait un sandwich. Putain, bitchnert quoi. Bitchnert. Bon, on est en train de s'endormir un petit peu, on est bien. Tout ça pour augmenter notre santé mentale. Incroyable. It's weird. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on était un petit peu bas. Quelqu'un on voyait des fantômes. Et ça, c'est pas incroyable. Y a quelqu'un dans la tente? Oui. Autre pas. Je suis tout nu. Attention, la nuit arrive. Hop, on grignote. Ah oui, il fait nuit, tiens. Tu as allumé? Ah, merci Arcanthos. C'est un peu ouvert. C'est chiant cette pluie d'ailleurs là. Je suis ma boule du cerveau. Hein? Tu sues ta boule du cerveau. Je suis ma boule. Ah, j'avais compris sue comme la sudation, tu sais, comme la sueur. Je suis toc toc. Tu sais le truc qui coule là, tu vois? Je deviens toc toc, Gaston. Il faut que tu mettes un petit chapeau. Voilà. Chapeau de fleurs, ouais. J'ai pas de fleurs. Ah, j'ai full fleurs. C'est ça. Ah, il a. OP, elle a pris un coup dans le cul, je l'ai vu. Pourquoi y'a plus de tente? J'ai cassé la tente. Un coup de monstre. T'as cassé la tente. Je suis désolé. Bravo, OP, hein. Tu t'es mis tout seul dans la tente. T'es bon, failli crever.
Merde. T'as combien d'HP maintenant? Non, ça va. Ouais, ça va. T'inquiète pas. Ouais. On peut pas voir combien elle a d'HP. Eh non, c'est dommage. Pas la stalk. Il y a écrit 90, mais... Ça ramène jusqu'à la base, la main. Jusqu'à ce que ça fasse... Casse ton pied, je mange les graines. D'accord. Tu donnes des fleurs. Du bras. Du laurier. T'es pas allé assez loin. Il y a encore la musique. Voilà, elle est morte. Oui, mais j'étais dans la nuit. Oui. Ça fait peur. T'as mis où les fleurs? T'as mis où? Dans ton inventaire. Ah ouais? Alors, t'as besoin de fleurs? Tiens, j'ai des fleurs aussi. 8 fleurs, là. Bon, I'm good. You good? Thanks. Attendez, le mec... Est-ce que ça rote, les fleurs? Oui, hein. Hein? Pas pourri? Ah. Pardon, non, mais... oui, je me suis rendu compte que ça... ça voulait dire un truc après. Oui. Attendez, les coffres sont en cours d'organisation, ne paniquez pas. Où sont les engrenages? Ils sont à côté du frigo. Oh mon dieu, pardon. C'est l'hiver. Le bonnet. L'ibouni. La pierre thermale, pas loin. Okay. On a déplacé ma pierre. Merde, ma pierre est déjà à 75%, putain. Eh ouais, ouais, parce qu'elle trouvait du feu. Feu. Du brésilien, quoi. Du coup. Ah, on fait bien les accents, au moins. On laisse à travailler, hein. Ah là là. Oh là là, waouh, hein. Ah, le stage de théâtre, hein, il a servi. Les petits sous, là. Alors du coup, on fait quoi durant l'hiver? C'est quoi notre, notre game plan? La même chose que l'été, et que le reste du temps, sauf que t'as une pierre thermale et un bonnet, et un bonnet. J'ai fait un bonnet, c'est même pas, même le bonnet, je vous conseille de pas le mettre, juste pierre thermale, et vous vous servez du bonnet quand vous êtes loin de toute source de chaleur et que votre pierre thermale est froide, vous mettez le bonnet à ce moment-là, comme ça la température descend moins vite. Mais sinon, le mettez pas plus que ça. Ah, putain, et ah oui, il faut pas s'approcher des buffles aussi. Ah, il y a moyen. Ah, parce qu'ils ont le cul rouge. Enfin, ils sont en chaleur. Hein? Okay. Ils sont en chaleur. Je vais faire un coffre. Il y a des pingouins. Oh, ouais. Ah oui, alors eux les attaquent pas, hein. D'accord. Ouais, ça, ils sont vénères. Je t'en supplie, pas. Je mets un coffre près des fermes où je mettrai des engrais dedans. J'ai pourriture et caca. J'ai une sarbacane. Voilà. Tout ce qui est pourriture et caca dans le coffre près des fermes. D'accord. Je vais faire de l'eau. Ah. De la glace, tu veux dire? Oui, de la glace. Et en fait, c'est de l'eau. C'est vrai. La glace, c'est de l'eau. C'est vrai, dans un sens. C'est pas totalement un mensonge. D'ailleurs, fais-nous... Ah ouais, la glace, il faut y aller, hein. Oui, il en faut plein. On fait tout et on bourre les frigos. Oui, oui, d'accord. Faut qu'on ait un frigo full glace. Et si j'ai la pierre endothermique sur moi? C'est moral, d'ailleurs. Comment ça se passe? La glace de watermelon ou je sais pas quoi? Ah, peut-être. J'ai besoin de popo là. Ouais, il faut du popo à max. J'ai une question qui m'a l'air logique. Tu veux te remettre full? Parce qu'après on a des mandrakes, hein, si on peut cuisiner une mandrake, hein. Moi j'ai 39 de cerveau là, c'est la merde. Attends, je vais te faire une bonne bouffe, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, Gaston? Dis-nous tout. Si j'ai une pierre endothermique sur moi et que je mine de la glace. Non, ça te fait pas réagir? Non. Ok. Faire... Ah, tu veux dire, tu vas... Non, non. Tu vas accumuler du froid? Non, non, je pense pas, non. Non? C'était plutôt, non. Est-ce que ça va pas fondre, en fait, la glace? Ah. Ah, je crois pas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une question. Okay. Aspergus soup. Oui, c'est de l'asperge. Hein? Vas-y, essaye. Ça donne 20 d'HP, 5 de sanity et 18.8 de faim. C'est pas ouf, hein. C'est pas trop ce que je voulais faire, en fait. Ouais, je sais pas, mais t'as fait de la soupe d'asperges. C'était pas mal. Froid. C'est ça, alors. Ah, j'ai très froid. Je suis à 4 degrés. Vite, le bonnet. Comment ça se fait que tu sois à 4 degrés? Je suis à 28, ça va. C'est à droite, c'est écrit. Enfin, moi, c'est écrit parce que j'ai un HUD en plus. Mais 4 degrés Celsius ou Fahrenheit? Celsius. Dans tous les cas, c'est froid, hein. Oui, mais c'est très froid en Fahrenheit. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il fait déjà nuit. Pas tout à fait. Il fait déjà un peu nuit. Rentre à la maison. J'ai faim. Ça m'enlève un HP. Donc du coup, les pingouins, ça fait quoi? Parce que moi, c'est ma grande question, là, maintenant.
Merci pour le pro tip. En fait, si tu fais cuire des champignons verts, t'as plein de... Ça te remet 20 de sanity et ça t'enlève 1 HP. Alors... Voilà. Lège ? Oui, merci. Lège ? Oui. Il y a Didorus qui me dit, vu que Lège ne lit plus son chat, yes. Demande-lui comment va son bonnet, s'il te plaît. ça va ? Comment il lui va ? Ou comment il va ? Je sais pas. Non, comment va ? Ah. Est-ce que comment tu as ton bonnet ? Est-ce que tu as encore ton bonnet ? Oui, oui. Ouais, c'est bizarre cette question. T'as oublié de le mettre ? Non. Du coup, je comprends pourquoi t'as non, arrêté c'est bon. Chat. Mais tu vois, voilà, c'est tout ça. Alors, coup, si jamais il y a deux soupes de mandrake au frigo qui vous rend 150 de faim, 100 de vie et de la sanité. Donc, si vous êtes vraiment dans le mal, il y a une très très bonne soupe ça, au frigo. Ça, c'est après les combats, ça. Voilà, c'est oh, bon. J'ai un cadeau. Si jamais il y a une crise humanitaire, voilà. Mais pourquoi j'ai toujours des trucs nuls ? Il fait froid. Moi ça va, je suis à 43 degrés. Donc là, on repose la thermal stone à côté du feu. Tu peux la... Ou alors toi, tu te mets à côté du feu et elle chauffe de la même façon qu'elle soit sur toi ou posée au sol. Ok, d'accord. Ça me va. D'accord que Electrical Doodad, ça sert à quelque chose, c'est pas juste des cadeaux à donner. Ouais, c'est vrai, c'est un craft de machine. Enfin, de machine. Ah ! J'ai volé sans faire exprès. Je le mets dans quoi du coup? Ah oui, et d'ailleurs j'ai crafté un truc très intéressant. Merde, il est où le kit de couture? Je crois que quelqu'un l'a sur soi, non? Non. C'est Wing Kit. J'ai pas. Quelqu'un l'a ninja? C'est pas moi. Moi j'ai pas. J'ai rien ninja moi. Pour tout ce que j'ai, c'est des graines. Non, il est posé là. Ah ouais. Donc quand votre pierre thermale est à 15%, 10%, je crois, elle va péter. Vous utiliserez ça, regardez, je le pose au sol. Une utilisation sur le... Je crois qu'il y a 4 ou 5 utilisations possibles de ce truc. Après, il se casse lui aussi et ça répare votre pierre à 100%. Très important. Ah. Pour éviter de devoir refaire des pierres tout le temps. Il fait nuit. Faudrait peut-être mettre du feu, non ? Yes. D'ailleurs, je propose qu'on laisse... On s'est tous regardés, genre. Le charbon le laisse. Oui, les gars. Comme ça, quand on en a besoin, on ramasse, on truc le feu et on repose. D'accord. Technique de nazi. Je me désolidarise. Pardon. Technique de je sais pas. Encore parce qu'à chaque fois je vous donne un conseil, j'ai l'impression d'être un trop autoritaire. Bah non, tu nous expliques bien. Après moi je t'avoue que j'ai full gazon dans ma main donc. Fais des boulettes au pécrot. Mais j'étais occupé à faire autre chose. Ah oui, des boulettes s'il vous plaît. Faites des... Non mais, vous avez... Faites toujours... Ayez toujours 3 ou 4 boulettes sur vous, donc vous... Ah ouais, putain voilà. Eh oui. Ouais, sinon vous passez votre temps à faire des allers-retours au frigo. Dépêche-toi, j'ai faim. Attends, mais du coup c'est de la viande de monstre, attention. Pour nous c'est ok, mais pas pour l'aigle, je crois. Ouais, c'est pour ça. Attention. Les mains. Du coup, attention, pour l'instant c'est 2 viandes de monstre, je vais voir si... Mais attendez... Elle est où l'autre? Ah là-haut. Y'a pas autre chose pour toi? Qui c'est qui a fait un mur? Putain, je mange des baies, merde. Qui a fait un mur? Comment? C'est qui a fait un mur? Ça, c'est l'aigle encore. Non. Est-ce que je cook un champignon rouge avec 3 glaces? Ça fait des bons trucs ou pas? Non. Je crois pas. Mais tu peux faire. Je l'ai fait. C'est quoi? Lâche tout. Lâche tout, je vais faire. Merci. Tiens, d'ailleurs, t'es où? Bouge plus. J'ai fermé le coffre. Oh, merci. Bah si, regarde, ça fait un bon truc, ça fait une ratatouille. C'est moi. Ça fait une ratatouille. Non, je peux faire ratatouille, c'est pour moi en fait. Moi la ratatouille. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. J'ai vraiment l'impression d'avoir des enfants. Hein. Chacun son chaudron. Vous prenez vos meatballs. Oh, je vois bien. On attend. Tiens, j'ai plus de place. Chacun son chaudron, j'ai dit, OP. Merci. OP. C'est en haut, c'est en haut. Ah oui. Elle a voulu me voler mon chaudron. Oui. Maman. Eh, on a plus de branches de bois. Enfin, non, il faut aller en chercher. Chaudron par terre. Putain, j'ai plus de place. Merde. Bah, il faut que je fasse une pelle. Oui. Fasse une pelle, quand les enfants. Tu dis que t'as faim, c'est-à-dire t'es à combien là? Je suis à la moitié. Yes, j'étais muté depuis 10 minutes. Yes. Ah ouais. Je vais essayer de vous faire des chapeaux de mineurs, comme ça vous aurez plus besoin de torches la nuit, vous aurez un casque éclairant. Ce sera génial.
T'as pris des meatballs sur toi, OP? Non. Cool. J'étais trop fier. Je vais en prendre. Toujours 3 ou 4 meatballs sur toi, OP. Toujours. Tiens, prends ce qu'il sort du truc là. Attends, on a déjà plus de viande. Oh bah, du coup, j'ai fait manger pour 2 personnes et demie là, donc. C'était terrible. On avait fait à manger pour tout le monde, pour tout le monde, tu entends? C'est moi la daronne. Encore? Non, ça va. Ah, le roi cochon, ce serait bien de le trouver, hein. Tu veux qu'on parte en expédition? Là, moi, je me fais chier de faire à manger depuis 1000 ans, là. Non, fais à manger, ouais, c'est bon. Ça m'agace. Ouais. Bah là, malheureusement, oui. Alors, il faut qu'il y ait une team qui fasse de la viande, là. Il faut qu'il y ait une team qui se dévoue. On va changer, tu vois, c'est toujours moi, elle est, hein. Là, GOP, vous allez vous occuper de faire tous les nids d'araignées, de toutes les buter. On va mourir de faim. Pendant qu'Aïlé et moi, on va mourir de faim. Je vous ai fait à manger partout, là. Mais Pierre, j'arrive pas à l'attraper, t'es devant. Tu vois? Appuie sur espace, au pire, GOP. Comment? Appuie sur espace et tu ramasses un item, au pire. C'est terrible, merci. Il est où, Gaston? Je suis en haut. T'es en haut? Attends, OP, attends, OP. Oui? Prends ça sur toi. T'as de l'espace sur toi ou pas? Oui. Tiens, prends les petits pièges pour te battre. Je peux en faire d'autres si jamais. Bah, je pense que t'auras besoin d'en faire d'autres, mais comme ça au moins t'auras déjà ça de base. Il est en haut, il est parti où? Ah, il est parti en haut. Mais y'a pas d'araignée vers là-bas. Allez, tu pars sans rien me dire! Bah, t'es derrière moi. Bah ouais, parce que je t'observe, parce que sinon... Je viens de te dire, on va où? Ah, bah, je sais pas. Là où on n'a pas découvert des choses déjà, donc... Mais attends, mais Lège a dit qu'il avait vu le roi cochon. Oh, mais ouais, mais okay. Lège, il dit ça, mais il nous dit pas mais plus. Est-ce qu'il connaît le roi cochon, déjà? C'est un cochon avec une couronne? Ah! Oui, c'est ça, c'est un gros allongé. Bon, bah voilà, donc je connais le roi cochon. Moi, je pense qu'il serait au sud, tu sais, vers les beach nerds, là. Non, bah ouais, mais Gaston, il est pas affiché. Ouais, mais on n'a pas tout découvert. Bon, bah salut. Je pense qu'il est genre là. Oh. Ou alors l'autre zone à gauche. Comment tu fais ça, là, toi? Ouais. Alt et clic. Oh, j'y retourne, OP. Ouais. Ouais, on va là-bas. Regarde. Comment on l'enlève? J'y vais. Ça, je sais pas enlever le ping par contre. Ah ouais? Ah si, delete. C'est bon, t'es arrivé. Ah oui. Bientôt. Trop bien. C'est bon. C'est un add-on, ça? Voilà. Je fais ça pour la famille. Qu'on va en bas à gauche là? Avec ton nom de cochon là. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils font les deux osios là-bas? Vous êtes pas du tout là où il y a les araignées, hein? Non. Mais grave! C'est bientôt la nuit aussi. C'est vrai. Ouais, voilà. Allez, on va les araignées. Près des araignées de qui sont un peu en hauteur par rapport au buff, vous avez un feu qui est prêt, prémis. Ah, d'ailleurs, on aurait dû prendre de quoi faire un feu. Allez. On a de quoi faire un feu. Je crois que j'ai des cailloux. Oh, des pingouins. Non, mais les pingouins, ça sert à quoi? Troisième fois que je pose la question. Bah, ils font des. Bah, c'est eux qui amènent les glaçons sur la terre et du coup, c'est grâce à eux qu'on les a. C'est eux qui amènent les glaçons sur la terre. Oui, c'est les dieux. Je mets des pièges, on attaque pas tout de suite. Ah non, on se barre. Il y a des araignées. Alors. Oui, mais toi, c'est vrai. Ah, c'est dur pour toi. T'as pas des pièges? Attention. Attends, c'est ici ou c'est encore plus bas? Oh non. Qu'est-ce que. Il va pas bien là. Il faut un qui attaque, un qui. Ça se passe mal. Gaston, tu fais attention à ta vie, hein. Oui. OP. Pourquoi y'en a trois qui me suivent? Ouais, elles sont en train de niquer Badger. Reviens, allez. J'ai courage, j'ai brûlé un arbre pour qu'on s'échauffe. Il faut les mettre près des pièges. Par contre, on n'a pas assez de pièges, nous. Mais pourquoi ils m'attaquent? On n'a pas assez de pièges, là. Pour faire ça. Oh! Fuis. Elle a jumpé. On aura dû se séparer pour tout plein, je pense. On va jamais... C'est sympa de... On a plus de nourriture. C'est fini. Ouais, mais ça peut aussi bien se passer pour les autres. C'est vrai. On meurt dans 2 jours. Ne meurez pas, hein. 2 jours déjà, c'est bien. De fin. C'est bon, t'as chaud? C'est qu'on a pas fait de pièges, mais la prochaine fois, on sera prêt. J'ai pas compris les pièges. Il faut faire des pièges en fait, comme ça, les araignées elles sortent et elles se bloquent dans les pièges, comme ça, elles sont auto-tuées, on a pas besoin de les aggro, quoi. C'est bien, OP. J'ai bien appris. Oui. J'ai brisé ma pioche. Oh, y'a les ours qui arrivent là. Les ours.
J'ai brisé ma pioche. Tu veux une pioche? Fait nuit. Ah, mais on est déjà au camp. Ah oui, fait nuit, attention. Le camp. Tu veux que je mette un feu? Ou on avance à la torche? Je pantoufle, t'es mute. C'est bon. Pantoufle? Pantoufle! Capitaine! Putain de merde. Il faut qu'on nous fasse à manger. Mais je vous ai mis des ingrédients. Vous prenez 3 birchnut dans le coffre avec n'importe quelle viande que vous êtes censé avoir ramenée. J'ai un problème de santé. T'as faim, Gaston? J'ai un problème de santé global. Attends, faut que je ramasse les lucioles. Tu peux m'éclairer? T'es où? Attends. Ouais, vas-y. Hop. Faire les chapeaux. On a plus de tente? Non, on a plus de tente. Attends. J'ai mis un trap. Champignon vert pour les HP. Merde, c'est des bleus. Merde, les daltoniennes. C'est pas sûr. Il faut juste faire un maximum de pièges, comme ça on sera bien pour les araignées. Ah, Luciole. Attention, faut pas que tu t'approches trop. Qu'est-ce que tu peux faire des pièges? Merde, j'ai faut que j'enlève les pings, là. J'ai fait 1 milliard de pings sur la carte, c'est trop chiant. Oh. Il y a un chemin en pierre, là. Non, reviens. T'inquiète, les Lucioles me... Ouais. Oh, il y a des mains. Il y a un chemin en pierre, là-bas. On reste là, du coup. On se court. On attend les autres. Attention. Et on leur dira qu'on a récupéré la nourriture, mais en fait, c'est pas vrai. On vous entend, hein. Non, moi, je les entends pas. Ah, tu peux enlever tes pings en cliquant droit quand on les voit. Ah, trop bien. T'as pas besoin d'ouvrir la carte. Ah, voilà une réponse sensée et claire. Les pingouins pondent des œufs consommables en fin d'hiver. Sinon, tu peux aussi les tuer pour la viande. Si tu voles leurs œufs, attention à toi. Hein, parce qu'ils te démontent le cul. Oh. T'as plein de lucioles là. Donc, okay. Ouais, mais j'ai ce qu'il faut. C'est des araignées du coup. Oui, mais. Comment? J'ai toujours ce problème. Alors, est-ce de santé. Qu'on va trouver le roi cochon? T'as genre. T'as ton cœur? Oui. Okay. Fais cuire. Lège, fais cuire des. Tu vois les champignons verts qu'il y a dans un des frigos? Oui. Fais les. Oh putain, il y a les. C'est pas la santé mentale les... ça? Ah, toi, c'est ta santé HP? Oui. Il y a des cochons là! Ah, voilà, bah les cochons du coup. Ah putain, il y a le roi! Nice! Oh, on a pas pris des trucs! Bah, on n'a pas pris les trucs et en plus, moi, c'est pas mes copains les cochons. Ah oui, c'est vrai. Cool. Ah bon, on a le roi cochon. Oh, on a plein de berries. Waouh, t'as vu ça? Donc, vous êtes partis à deux pour aller chercher le roi cochon et vous n'avez pas récupéré le truc de base qu'il fallait pour donner au roi cochon. Bah, on n'était pas sûr de le trouver. Oui. Je gèle. Bah, j'espère que vous allez ramener la nourriture. Faut que je brûle un truc. Attrapez, je sais. Tu veux pas venir m'aider à taper les cochons qui m'attaquent la blinde? Ah ouais, mais y'en a trop, si on commence à se battre contre les cochons... Bah ouais, mais là... Désolé de te le dire, mais... Je peux pas ramasser de baies. Ah, t'inquiète, je les ramasse pour toi. Bah super, bah merci. Mais moi j'ai ma petite pelle, je voulais prendre les... Ah, j'ai froid aussi! Viens sur moi. J'arrive. Bon, bah on... Faut que je m'arrête, manger. On va aller... On va mourir là-bas. Alors, du coup, il faut que je fasse des pièges et on va. Mais le problème, c'est que dès que je reviens, il y a tous les cochons qui me rebondissent. Mais c'est pas grave. Passe à droite. Je suis à droite. Juste que je fasse les pièges d'abord. Je plante des trucs. Oh, il y a une truc de résurrection. C'est la merde. Je meurs de froid, j'ai petit froid. C'est là, fabriqué. Oh, c'est bon. Regarde la technique. Fuck. T'as qu'à prendre ma pierre en attendant. Qu'est-ce que je peux dégager? Pose-la dans les brindilles, ma pierre. Attends. Ta pierre. Attends, du coup, je la pose dans les brindilles. Mais. Coffre qui sert à rien. Mais... Il veut pas me lâcher. Oh, les relous. Mais au secours, je vais me retourner, je vais me battre. Attends. Tu t'équipes? C'est bientôt la fin de l'hiver. J'essaie de chauffer ta pierre encore. T'as vu la technique? Putain, quel débile. Aïe. Oh, tiens, enculé. Enculé. Non, la peau trop chaud, c'est trop chaud. Enculé. Pardon. De la viande, miam. Voilà. Ah, ils ont récupéré de la viande. On est sauvés. Mais vous avez fait quoi, vous? Non, mais c'est de l'humour. Moi, je voulais y aller maintenant, là, mais... Gaston qui plante des choses. Ah, yaouille, c'est terrible ce que vous me faites vivre. Vous faites du mal.
trouvé une bouillie. Enfin non, je l'ai pas trouvé. Mon inventaire. Ok, j'ai pris toutes les berries. J'ai pris des buissons du coup. On va mourir. Ok. Pourquoi vous allez mourir? De quoi vous mourir? Non, enfin, attention, on met les pièges devant, on attaque personne, on met les pièges... Du coup, sinon, tu te mets loin et je prépare le camp. Comme ça, les araignées, elles vont pas vers toi. Il y a plein de baies en bas, encore. Ouais. Berry bush. De toute façon, on va faire un... Juste là. Oui, je te regarde. Je vais faire un aller-retour avec tous les objets pour faire toute l'or. Il y a un sac à objets. Le sac de bonbons, ah, ou je sais pas quoi. Ah oui, merci. Bien vu. Me suis pas, Gaston. Je regarde. Les araignées, elles vont vouloir t'aggro et ça va être ouais, c'est terrible, ça sonne chez moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sonne chez toi, comment ça? Ça sonne dans ma maison. Ah. Bouge pas, Gaston. Hein. Non. Ça fait deux fois que ça sonne, c'est sûrement pas un accident. Merde. Oh, y'a une boule! J'ai pas assez de pièges, putain. Ça va, ça marche bien. Y'a du moisi. Putain, y'avait du full moisi aussi en bas vers les cochons. Bah, pourquoi les araignées elles meurent pas? Elles me donnent de. Je viens? Oui, je crois. Du coup, faut essayer de faire attirer les araignées dans les pièges, je crois. Tu vois, genre dans ces trucs. Exactement. Mais les araignées jaunes. Regarde! Oh, mais incroyable! Tu vois? C'est loin quand même la base. Et du coup, faut faire attention quand même. Parce que... Oh, et on se fait attaquer, mais quelle vie de merde on mène! Tu vois, typiquement, j'ai une idée qui m'a tout attaqué. Je les aggro! Non, pourquoi? Non? On a trop de bouffe là, je peux pas m'empêcher de ramasser. Bah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros truc! Fais attention! Y a un j'ai mis le coup de panique! Peut-être que ça va brûler l'abeille! Le roi cochon? Y a un monsieur en grenage, fais attention. L'abeille, elle s'en bat les couilles, elle va dans le feu! Oh, y'a des carottes! Là, y'a un monsieur, tu l'as vu, Gaston? Non, j'ai pas vu, mais il faudrait que tu mettes plus, les en fait... Pièges, tu veux que je les mette où? Les pièges, tu les entoures un petit peu, comme ça, moi, j'aggro, et puis je les envoie dans les pièges. Genre, moi, je cours, là, et elles sont derrière moi. En fait, ces pièges-là, ils serviront surtout quand le nid sera pété. Enfin, après, j'ai pas prévu les autres, les bêtes qui font chier autour. C'est ouais, d'accord, ok. Ah, bon, si, ça peut marcher. Ah oui, gros monsieur en grenage, effectivement. Oh, si, ça marche en vrai. Bon, il faut être patient, mais ça marche. C'est vrai qu'on peut faire des pansements, pantoufles, j'avais oublié. Ah ouais? Une glande d'araignée, deux cendres et un caillou. Ah oui, oui. Ouais, j'appelle pas ça un pansement, mais je vois ouais, du coup. Ouais, j'ai 4 viandes, hein. C'est une salve de guérison. On s'en va. T'as vu? C'est la forêt maudite, regarde. On s'en va, j'ai quasiment plus de feu. Ah oui. Ok. J'ai 4 viandes, c'est toujours ça. Ça fait beaucoup baisser la santé mentale. Ah ouais. Éloignons-nous. Tu comptes sur moi pour le feu là? Oui. Ah, je vais peut-être faire une autre torche. Oh attends, j'en fais tu une. Tu entends? Oui. C'est le monstre de l'hiver, il faut qu'on s'éloigne. Qu'on l'approche pas du camp. Attends. Bah ici on est bien en vrai. Monstre de l'hiver? Ouais, le Dirclop. T'as, j'ai froid, je suis en train de geler. Attends. Tu veux que je mette un. Oh, ok, d'accord. Bah t'as mis le feu au seul arbre qui est tout seul. Bah c'est. C'est fait exprès! Pour pas déclencher un feu de forêt incroyable. Bah d'ailleurs, on elle peut vraiment bien. Ouais, grave. Comme ça, ça nous fait du charbon. Bonjour. Notre camp. Ah, c'est là. Allez, on met le feu au camp maintenant. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là-bas? Au secours! T'as joué que t'as une âme de pyromane comme moi. Oui. Et c'est bon. J'aime bien le feu. Tu veux pas choper les lucioles qu'il y a là? Ah, j'en ai assez. Boulette. On va pas trop exagérer non plus. Ah. Qui c'est qui me spam sur Discord? C'est pas comme Bobo. Faut pas regarder son Discord dans le stream. D'ailleurs. Ah ouais. C'est pas professionnel. Ah ouais. Oh. Ça va distraire surtout, c'est sûr. J'ai pu être focus sur le jeu. Je vais mettre le feu. Après on va mourir. À l'arbre qui a l'air méchant. Quel jeu. Non, lui mets pas le feu. Ah bah trop tard. Oh là là. Mais non, ça fait du bois hanté. Ah non. Et alors? Bah non. C'est bien parce qu'on peut faire pousser des champignons sur le bois hanté. Bah alors. Mais je peux plus arrêter le feu. Eh oui. J'ai pas de pseudo. Merde. Ah bah ça brûle bien. Hein. Ah oui là ça. Oh c'est beau. J'ai une question. Si je fais des boulettes avec de la viande de monstre, vous pouvez le manger aussi? Oui, ouais, mais bon, par contre, faut pas, pas plus d'une viande de monstre hein, dans la composition, sinon ça fait un caca. De la monster lasagna. Un caca Oh là là, ma santé!
Oh, y'a rien qui va là. Merci, c'était bon. Oh, j'ai peut-être. Peut-être j'ai un peu abusé sur le feu. Ah oui, on a perdu la 90% de la forêt du jeu. Ah ouais, en fait, le truc, c'est que je peux plus te rejoindre parce qu'il y a le feu qui me bloque. Ah, t'inquiète. J'ai l'impression qu'il y a plus de neige qu'avant. Bah oui. Ok. Imagine, là c'est comme si on était genre en février là. Imagine. Mais en février. On y va ? Ouais. Tu veux qu'on refasse les araignées, lège, ou on a aussi. Oh non, pouf. J'en laisse la cendre hein, parce que faut pas gâcher la cendre. Oh bah je vais le faire toute seule alors. On prend. Bah je vais venir quand même. J'arrive au pays. T'as dit quoi, lège ? J'arrive quand même. Tu viens avec moi faire les araignées ? Oui. Oh, oui. Peut-être qu'on verra des pingouins sur la route. T'as fait attention à voir tout ce que. Ah, je me fais attaquer! C'est quoi ce. Je me fais attaquer par un cochon! Ouais, t'inquiète, rentre à la maison! Merde, c'est pas le bon chemin ça! J'étais en train de répondre à mon collègue! C'est pas le bon bonnet! Ah merde! Je crois qu'on a bien besoin de la viande. Ouais, hop. Nickel. On peut faire une canne à pêche? Tu veux pas faire ça? Pélège, on fait masse viande hein! Ah ouais. Ils ont rien fait du tout! Vous avez tué des araignées ou pas pendant tout oui, ce j'ai temps fait de la viande, j'ai réussi à me faire de la viande pour. Ok. On a tout mangé. Ah merde, j'ai plus de place. Est-ce que t'as des stacks de regarde, bois? Regarde, boum. Non. Attends. C'est trop bien. Ouais, c'est bon, je peux. C'est bon. Après, faut remettre les pièges par moi, contre. J'ai un trou. Ah. J'ai un trou et j'ai 4 trucs de rot. Tu veux prendre? Boum. Je peux pas. Ah, non, les chiens. Les chiens? Non, les chiens. Les bon, chiens! Comment ça, les chiens? On fasse quoi? Ils sont revenus? Bah, faut aller aux buffles! Putain! Vous protéger! Non, parce que les buffles, ils ont chaud au cul! Ouais, mais c'est pas grave, il vaut mieux. Y a pas le choix. Alors, attention, là, les chiens vont arriver, mettez-vous votre pierre un peu chaude, hein, parce que sinon, vous allez mourir de froid, plus les chiens, ça va être la merde. Essayez de réchauffer votre pierre tout de suite, là. J'ai laissé ma pierre près du feu. Ah bon? Aïe. Oh, l'erreur! Oh, la grosse erreur! Il faut de la glace, hein, la glace partout. Ouais. On serre comme ça, je vais te réchauffer, OP. Merci. Il est loin le camp là. C'était si loin. Ça me semble pas. Hein. Enfin, si, mais bon. Après, il y a un trou de verre, je crois, qui nous mène là-bas direct. Hein. On aurait dû vérifier. Ouais. Attends, on se frotte. Ah, si, c'est à gauche là direct. Gauche toute. J'aime bien me frotter. Qu'est-ce qu'ils font les deux là-bas? Je sais pas, ils me rendent ah. Oh putain, les chiens! Ah! Merde! Quoi, merde, je vois plus ma souris! Je vois plus ma souris! Je vais mourir! Non! Bah, mais qu'est-ce que tu fais? Je me bats, ouais, moi je suis costaud, moi. Y'a un chien blanc! Je meurs de froid. Qu'est-ce que Et ouais, c'est le point. Mais dans les buffles, ça ira! J'ai 5 HP! Oh, est-ce que dans les pingouins ça passe? Oui, c'est un peu galère, mais ça passe. Y'en a plus qu'un! Il va me tuer. Mais je meurs en fait, je meurs de froid là! T'as pleuré, OP! Reviens au camp, allez, je mets le feu et je vais tuer les chiens. Il faut l'amener près des buffles. OP! Viens au camp. J'y suis. J'ai enculé. Il est dans les pingouins quelque part, je crois qu'il s'est fait démonter par les pingouins peut-être. Ouais, il s'est fait démonter. J'ai 20 HP. Oh, bravo, OP! Franchement, mets-toi full bouffe, mange et mets-toi dans la tente. Ça te met... Ah bah y'a plus de tente. Y'a plus de tente. Yes. Je vais en faire une vite fait. T'as assez? J'espère. Putain, faut vite que je retourne au camp. J'espère où? Ma vie baisse parce que j'ai froid, putain. Vite. Attention à toi, Gaston. Toile. Je suis à moins 5 degrés corporellement parlant. Tente posée. Bah, je crois que je vais prendre Mandrake soupe hein. Non, tente. Tente. Y'a full pingouin. Tente. Okay, je vais même en faire une deuxième pour ceux qui sont en galère de vie là. Regarde-les arriver là, les beaux. Alors si vous êtes l'OHP, mangez, ventre plein et ensuite tente. Ok, c'est ce que je vais faire. Parce que 27 là. I'm the coach. Bah je peux pas parce qu'il y a Lège qui est dedans. Y'en a deux. Non mais y'a Lège qui est dans le frigo. Ah. La tête dans le frigo. Moi je dors hein. Tu t'es mis full l'estomac avant quand même. Ouais. Bon bah je dors aussi du coup. Ah mais ça régène les points de vie. La tente. Du coup je vais me faire foutre. Incroyable. Attends mais tout à l'heure t'allais dans la tente sans savoir. Oui.
Sans savoir quoi? C'était pour ma santé mentale. Ah, c'est santé, santé mentale. D'accord. Ah, je pensais que t'étais allé du coup comme ça. Il y en a encore, il y en a qui font du caca avec la nourriture. Il y a souvent des plats dégueulasses qu'on peut pas manger dans le frigo. Ah, oui. C'est ça que j'accepte pas. C'est comment on fait un plat dégueulasse? Je sais pas. Si je dois... D'accord. Ça, c'est vrai que on sait pas trop faire, nous. On est pro-chef. Chef Christo. C'est ça. Bah, je sais que trois glaces et un légume, ça fait un truc qui fait rien. C'est de la merde. En même temps, 3 glaces et un légume, tu vas pas bien loin avec ça, hein, même dans la vraie vie. C'est vrai. Ça te fait un légume picard, quoi. Oh, c'est bon, picard. Je suis complètement ma boule. Les mains. Ah, on fait du jambon. Titi. Arrête. C'est un enfer, putain. Apparemment, on fait du jambon. Il est fou. Je range. Hop. Hop. Je vais dans la tente. Pourquoi il y a des pierres? Allez. Qui sont posées à côté de notre camp. C'est Trump. Oh, les Mexicains sont derrière. Regarde. On les voit ah, pas. Ah merde, l'ai-je? Il est où le sac spécial pour les objets spéciaux? Je sais pas, à côté des objets spéciaux, je pense. Ouais, ok. Ou alors, c'est mexicain. C'est du Mexique là-bas. Ah ouais. Il fait froid au Mexique. Oh, avec tes bêtises, après j'oublie ma pierre thermale et tout là. Ah c'est vrai, merde. Bon, je mange une ratatouille. Bon appétit. Merci. Ah, que d'aventure. Mais ça va, on meurt pas, hein. Enfin, on a failli mourir nous deux là avec les chiens, mais... Non, non, non. T'as fini à combien de PV du coup? Non, ça va. C'est une réponse qui me convient. Quel coach. Ouh, ah ouais, le coffre, le sac, il est déjà rempli de... En vrai, incroyable. Oui, parce que j'avais trouvé un endroit où il y avait full merde comme ça. Donc du coup, bon, bah je les ai stockés. Hein. J'ai fait ça quand même comme rangement. Vous pourriez m'applaudir un peu. Oh, on va se faire de l'or, les amis. Ou au moins... C'est incroyable. Une gentillesse. Bravo. Merci. Votre pierre, je sais pas combien elle descend, si 25 après elle explose ou pas, je suis pas sûr. Je sais pas, moi je suis à 25 là déjà. Je la répare. 100%. Je suis à 38%. Est-ce que vous avez une touche pour... comment on appelle ça là? Merde, j'ai bouffé. Pour... ouais. Genre vous avez 10 items et vous en voulez 5. Je sais plus comment on fait. Ah, pour split, tu veux dire? Ouais. Je me souviens plus de la touche. Je sais pas non plus. J'aurais bien aimé te la donner, mais malheureusement, elle n'est plus en ma possession. Parce que du coup, je stocke des boulettes dans mon inventaire. Je crois qu'on a un vrai problème. Deux. On a plus de flint. Donc je peux plus faire de pioche. Le flint c'est quoi déjà? Oui. Silex? Oui, silex, oui. Pantoufle, tous les autres trucs, est-ce que je les prends aussi? Je sais pas. Ça sert à rien en termes d'offrande. Je vais le faire l'aller-retour, t'occupe. Fais l'aller-retour. Je cherche le trou de verre qui mène dans la zone en bas. Je le trouve pas. De verre qui mène. Bah, vaut mieux que tu le prennes dans l'autre sens, non? Genre, t'y vas à pied et dès que tu trouves le trou de verre d'à côté, tu le prends comme ça. Ah ouais. On le sait, ah non? Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Là où je suis, il y a un trou de verre. De chercher. Ouais. Oui, mais on sait pas ouais. Lequel. On sait pas lequel mène au bon endroit. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un trou de verre, on perd 20 ou 30 de santé mentale, ça fait un peu ah mal. Ah bon? D'accord. Bon, ouais. Ah, tu savais pas? Non. Non, il vient de sauter dedans, là, c'est sûr. Le con. Non. Ah bon? Non mais c'est vrai que c'est le truc que tu te rends pas forcément compte, c'est au bout de 2-3 voyages tu te dis mais attends mais qu'est-ce qui se passe, j'ai pété les plombs. C'est pas quand même. Eh ouais. J'ai pété les plombs. Excusez-moi. OP. Oui. Tu vas venir te battre contre les araignées. Je veux bien, mais t'es en train de construire un mur. Mais vous priorité. Battez pas au final contre les araignées.
pas assez techniquement, c'est de la bataille stratégique. Je pensais que toi, de toutes les autres personnes, c'est comprendrais. D'accord. Si vous, pouvez, si vous pensez, miner un petit peu la glace que vous voyez. Mais c'était le problème que je t'avais souligné. Ah. Ok, et qu'on a plus de, on a plus de silex. Voilà. Ok, bah, j'arrive avec masse d'or, donc on n'aura pas besoin de silex, on pourra se faire des outils en or, là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ça c'est une très bonne nouvelle. En plus, ça se garde très longtemps les outils en or. Et hop. J'aurais bien voulu c'est ramasser. C'est satisfaisant les un araignées. Silex quand même. À tuer ? Peut-être parce qu'on est des araignées. Non, je sais pas, je trouve ça. Je sais pas, de les voir être dans des pièges et tout. Ah, moi j'aime bien les petits pièges qui... les pièges qui se dandinent, genre. Ouais, grave. Paf ! Ah, ça c'est moi Hop là, c'est géré. Ça a bien marché. Bah là, on a beaucoup de pièges quand même, donc pour qu'elle le rate, c'est chaud. Oh, il est tellement loin, le roi cochon. Regarde là, elle a peur, l'autre victime en bas là. Victime. Attention, j'y retourne. Paf. T'avais fait les fables. Vous aviez fait les fables sur Sea of Thieves. Sur Sea of Thieves, moi j'ai pas fini les fables. Ah ouais. Oh. Ouais, désolé. Eh ouais, c'est dur après d'avoir un crew fixe et tout. Parce qu'il y a une nouvelle, fable qui est sortie. Non. Ah ouais. T'aimerais bien? Je sais pas. Non, c'est une idée comme ça que j'ai lancé. Je sais pas. Peut-être, c'est les pirates, c'est ça? Oui. Ça a l'air d'être rigolo. En vrai, il est bien le jeu. Ouais, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ah, il fait froid. On se recontacte, Gaston. Avec plaisir. Ok, on peut casser. Avec cette voix, je sais pas trop comment. Ah, j'ai froid. Ah, super. J'ai froid. Ah mince. Qu'est-ce que je peux faire? Une torche? Ça marche les torches ou pas? Quand on a froid. Un petit peu, ça ralentit, ça réchauffe pas, mais ça ralentit. La vitesse à laquelle de ton t'as un truc descend. Tout a été réfléchi. Hein. Mais ouais, l'hiver, c'est chiant. Hein. Faut tout le temps en train de se réchauffer. C'est bon. Putain, j'ai un sèche-cheveux dans mes outils. Putain, mais t'en avais déjà un tout à l'heure. Oui, bah je l'ai récupéré comme une bolosse. Ah, pourquoi je peux pas le poser? Hop. Je peux avoir un petit point sur l'état de vos pierres thermales en pourcentage, s'il vous plaît, messieurs. 25%. 25, ok. OP. Oui, pardon, oui. Ta pierre thermale est à combien de pourcentage? Elle est à 50. Ok. Et il faut que je fasse quoi du coup? Je la mette près du feu? Non? Non. Non. Ah non. Non. Quoi? Yes. Viens, le roi oui. Cochon, il prend pas non, toutes les offrandes. Faut que tu la recouses avec le truc qui est près du feu, le kit de couture. Oh la vache. Oh le bordel. Exactement, je suis d'accord. Pourquoi il prend pas tout le roi cochon, il prend quoi? Je sais pas, il y a des trucs qu'il les veut pas. Il y a des trucs, c'est juste des décos pour les arbres, je pense. Ah, pour l'arbre que j'ai brûlé. Hein, peut-être. L'arbre que j'ai brûlé, ça me disait... Parler encore du truc qui brûle. Ça me disait... décorer l'arbre. Et à la place, j'ai mis feu. Ah ouais. Ouais, mais il drop des trucs de ouf, le roi cochon, je peux pas tout prendre, au secours, faut que quelqu'un m'aide. Le roi cochon. Mais il drop des bonbons, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Jamais vu ça. Les bonbons, c'est utile? Bah, je sais pas, ça rend un de bouffe, un de sanity, quoi, c'est nul. Ah, bah, ça pue du cul, du coup. Je vais mourir. Vraiment? Mais non, tu meurs pas. Non, t'es au camp. Ouais, dit-il. Alors. J'ai une sarbacane. Est-ce que ça sert à quelque chose? Attaquer à distance, mais c'est pas ouf. Pas ouf. C'est un peu... Ok. Tant pis. En termes de puissance, c'est pas ouf. Ça sert à quoi la pourriture? Ça sert comme le caca à fertiliser. Tout à fait. Et ça sert aussi à faire la seringue qui te permet de... Tu sais, quand je te mets un cœur artificiel là et que tu raises... Hein ah ouais. T'as pas tes HP max, et ben ça te permet de retrouver tes HP max. Moi ils sont pas max les miens. Ah bon? On t'a déjà rest une fois? Bah voilà, la pourriture sera ça notamment. Oui, on a déjà rest, tu te souviens pas? Mais non. Deux fois. Et après il y a eu le feu. Deux fois. Alors. Quel temps fait-il chez vous? Fait pas froid hein. Je mange des boulettes. Oh, t'as une boulette pour moi? Ouais, grave, j'en ai même deux. C'est vrai? Waouh! Merci.
Ouais, j'apprends, j'essaye. Je peux garder l'autre ou tu en as besoin? Non, c'est bon, tu peux garder. Merci bien. Je t'en prie. Tu veux une dent de chien? Merci. J'ai une dent de chien, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Ça va. Bah, quand tu t'es battu contre les chiens de tout à l'heure. Ah. Eh oui! Tout par s'explique. Contre, j'ai plus de lance pantoufle. Va falloir que tu me refasses une super lance. Ok, je ferai ça. À un moment. Le enfin, problème, c'est que le roi cochon. J'ai 1% de lance. Ok. Voilà. Faut qu'on trouve de l'or, c'est ça? Ouais. Il y a des araignées, il y a des araignées. Et c'est vrai, on fait la réflexion. Enfin, je me suis fait la réflexion. T'es pas morte de la partie encore OP? Non. C'est bien. Merci. C'est pas assez étonnant. L'île Fouf qui me demandait combien de fois t'étais morte. L'île Fouf encore. Pourquoi c'est étonnant? Bon, d'habitude, elle meurt beaucoup. Ah, mais parce que je rigole et j'ai failli mourir tout à l'heure parce que là, il me faisait rigoler et... Dur, je rigole, quand je rigole, je lâche tout. C'est ça. Désolé. C'est bon. Salut. Ah, ce serait trop facile. Il donne pas d'or, le roi cochon, contre les friandises. Contre les décorations, il donne des friandises. Oh, et c'est de la merde, les friandises, on va pas se le cacher. Yes. Hop. Il est où l'or? Tu veux taper? Ouf, y'a plus rien. Alors attends, t'as de la place pour prendre les trappes ou pas? Ouais. En prendre quelques-uns. Bah je veux bien que t'en prennes. Là qui me... Comme si j'étais aggro alors qu'il y a rien. Tu peux prendre des trappes s'il te plaît? Non bah du coup tant pis. Ah pardon, tu veux que je prenne les trappes, pardon. Oui. Non, j'avais un bruit genre tu, genre comme si j'étais en fight. Star Wars? Tu. C'est sûr, bah c'était Star Wars. C'était ça hein. Oh oui, oh, oh. C'est où les araignées? Ouais, mais t'es au bout de la map là. Ça y est, ils ont fait des bébés les buffles. Des bébés. Bon, en général, je tue les bébés. C'est de la nourriture facile. Ah. Bon, comme ça, ils prolifèrent pas trop. Oh, petit papa, c'est trop mignon. Putain. Ah, alors. Pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle s'est fait tout un scénar à la Spielberg là. C'est l'histoire de ma vie ça. Hop. Merci d'avoir relevé ma solitude. Pardon. Merci. Ça m'a vraiment surpris. Bon du coup les cacas que vous trouvez sur les routes là, sèche-cheveux et tout ça, ne les prenez plus hein. Sèche-cheveux. Putain le mépris. N'y oh, merde, touchez là, plus. Non, ramassez pas. Parce... Pourquoi? Parce que le roi cochon n'en veut pas et ça pollue notre base. Ah, ça pollue visuellement, mais c'est tout. C'est ça. Enfin, il en veut bien, mais en échange, il me donne des bonbons. Genre là, j'ai, je sais pas, je dois avoir 150 bonbons qui rendent un de vie, un de bouffe. Bah, c'est bien. C'est, ouais, mais ça fait beaucoup. C'est... Ah, tu ramasses les pièges, c'est fini? Tu fais quoi? Non. Ah, tu les as parmi? Ah, ok. Est-ce qu'il y en a encore? Regarde. Oh là là. C'est tellement efficace. Eh oui. This is the best strat. C'est pas trop mal. J'ai même un lapin. Waouh. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire durant l'hiver. Oui, 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 oui. Donc du coup, capitaine. Oui. J'ai une question. Oui, bonjour. comment on se prépare pour la prochaine... saison? Oui. C'était ça, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était ta future question? Oui. Alors, déjà oui, une bonne façon de se préparer, enfin l'hiver, c'est de prendre toute la glace qu'on peut. Ça fait de la bouffe. Et on a la plus glace. De silex. C'est toi qui as le calof? Il faut que tu j'ai donnes que le... un d'or. Ah bah on a deux d'or. Je replante là. Ça veut dire. Ah, vache. Ouais tu peux là. Je vais les. C'est la un merde. Deuxième œuf dans ton inventaire. Non, c'est parti, je l'ai drop. Je vais faire du silex du coup. Ah il nous faut du silex, c'est clair. T'as pas un deuxième œuf dans ton inventaire? Normalement t'as pas. T'as spawn avec un œuf. Non. La saison prochaine, sa particularité, c'est la pluie. Des et sachant qu'il fait froid plus pluie, non, c'est horrible. Comme dans la vraie vie, quoi. Donc il nous faudra des queues de cochon pour faire des parapluies. Ok. Voilà. Comment se préparer la saison prochaine? Queue de cochon. D'accord. Idéalement, faut tuer le Dirklop, c'est le monstre de l'hiver, mais je pense qu'on n'est pas prêt. Du coup, je peux reprendre les pièges? Si t'as de quoi, oui. Ou tu peux les laisser là pour plus tard quand on viendra à nouveau sur les araignées. J'ai fait à manger au fait. Dans le frigo. Cool. Oh.
Waouh. Caca. Je suis un peu... Je me suis trompé pour certaines recettes. Moi je jette le sèche-cheveux du coup hein. Désolé. Ça c'est quoi? Snail scale. C'est pas un sèche-cheveux ça. Mais j'ai non, pas compris non plus l'histoire du parapluie et de la queue cochon. Ouais, c'est une balance avec un escargot. Mais bon, je pose pas plus de questions. Cet objet, je faisais une collection. Pardon, pas je vais me faire remarquer après. Il le met pas en plein milieu du camp. Non, ça va, j'ai mis un spot près des buissons, je crois. Bon, c'est un peu au milieu, mais... Bah oui, c'est totalement au milieu. C'est vraiment, il n'y a pas plus le milieu du camp qu'à côté des buissons, quoi. Je vais trouver un autre endroit. Non, mais toi, entre les deux forêts de buissons. Attention à la nuit. Oui. J'ai du drama, mais faites attention, on ne sait jamais. On a besoin d'être au campement, je pense. J'ai peur. Si vous avez une petite faim, il y a le petit sac à dos qui est au milieu des bibelots dans le camp, là. Vous le prenez, il y a plein de bonbons, donc si c'est vraiment pour des petites fins là, faut les bouffer ces bonbons. Faut les écouler. On en fait rien des bonbons? Bah non. Ah merde, le feu! J'ai froid. Moi aussi. Les deux, elles sont parties dormir? Et elles avaient pas allumé le feu? Mais n'importe quoi, on est allé dormir, on est là, regarde! Qu'est-ce qu'il devrait, pourquoi on se fait accuser là? Oh ce mytho! Cet affabulateur! Ok, ça me peut-être. Choque. Bah, je vais dormir alors. Choqué de ces accusations. Je peux pas aller dormir. Ah mais c'était capitaine qui était dans la tente. Je viens de comprendre. Non, Gaston, t'as ramené ton truc de marbre là. J'en veux plus de ce mec. Quel enfer. Super. Je suis accusé à tort. Pas d'excuses présentées. C'est vrai ça. T'as failli rentrer dans la tente du capitaine. Tu te rends compte ou pas? On aurait un peu égayé la vie du capitaine. On lui aurait montré des trucs. Oula. Bon, on a deux d'or, yes. J'allais faire du silex. Est-ce que je peux, tu vas faire cette mission? Bah, je sens que t'avais envie, tiens, je te donne l'or. Ça fait longtemps que j'ai pas été pioché, donc... Je peux avoir bien. Une lance, s'il vous plaît? Maman. Oui, mais non, je peux pas, parce qu'il me faut de l'or, et de l'or, on en a plus. Eh ouais. Comment je me bats? Je te donnais ma lance, je me bats pas moi. Et vous avez... Oh là là, les coffres, vous les avez vous avez pas respecté là, quoi pour tout putain. Oh là là. Il y en a trop en fait, ça rend fou. Mais non. Regardez, on est tous là, regardez. Première ligne, bois. Deuxième ligne, minerai. Troisième ligne, loot de monstres. Voilà. Ah. Tu parles en colonne, pas en ligne. J'ai dit ligne, merde. Oui. Bon. C'est où araignée du coup? Je me comprends. Donc première colonne végétale, deuxième minérale et troisième loot de monstre. Du coup c'est loot de monstre. Toile. Oui. Très bien. Si. Parce qu'il y a des pièges et tout là. C'est le bordel là. T'es sûr des accents? Oh non mais c'est le bordel! Oh, j'ai envie de vous taper. Bon, c'est bon, on est bien là. Le popo, c'est là-bas. Et le charbon, le laissez-le près du feu. Comme ça, on peut se servir juste à côté du feu. On refuel et on repose. This is the technique. Elle casse des murs là-bas. Pourquoi elle casse tout l'autre fois? En plus, le bruit que ça fait, genre bla bla bla! Oui, ça vraiment. Enfin, genre. Okay. Et après, elle a plus bougé, genre. Tu m'as entendu? les trucs de monstres, c'est troisième colonne, t'as dit, hein? Oui. Loot de monstres, d'animaux en tout genre. Okay. Et si jamais il n'y a plus de place, vous refaites un coffre. Dans la colonne. Dans l'alignement. Et qui c'est qui a planté un truc là? Mais c'est incroyable! Et moi! Ah le. Con! Il plante des plantes entre les coffres! Qui fait ça? Bah, que lui, hein! Oh la vache! On a ici 100% des joueurs! Qui font ça? Oh là, j'ai mal aux fesses! Ah! Non, c'est juste que j'ai mal positionné! Ah! Quand je rigole, je me néglige. Ah, tu négliges ton intérieur? Sur le cul!
Ok. J'en ai marre, je suis fatiguée. Vous me fatiguez. Oh merde. Ça ressemble plus à rien, j'arrive plus à planter. J'ai tué un lapin. Ah, mais attends, mais il y a une les trous de verre, ils prennent une couleur identique. Oui, c'est un add-on. Oh là là, mais c'est shitai. Un add-on, je vais manger. Il y a pas besoin. Quoi, un shit? Quoi? C'est du shit. Shitai. C'est shitai. C'est un truc d'assister. Pour aller. Bah super. Bah c'est vrai, oh. C'est toi qui nous fait installer ces add-ons. Et bah t'as qu'à pas les utiliser, tu regardes pas. Voilà. Ouais, mais je savais pas, moi. J'étais pas consentant. La critique est facile. Mais oui. J'ai faim. J'ai fait des boulettes dans le frigo. J'en ai fait beaucoup. Il y en a plus, je crois. Ah bon? Dans le frigo, je vois une bouillie humide. C'est pas ça? Je les ai prises. C'est... Ah bon? J'ai pris les boules. Oh bon. Ah, je t'ai donné les glaçons sans faire exprès, OP. Merci. Mais tu peux tiens, les utiliser un glaçon. Pour faire à manger. Ah oui, pas bête. Je vais oublier ce détail là. Oula, mais vous faites des mix de viande là, ça fait peur. Hein. Des trucs, les champignons, machin et tout. Mais il faut pas, les champignons ils ont des propriétés chacun. On s'en fout, on a pas assez de trucs pour faire de la sélection. Mais tu rigoles ou quoi? On a 40 glaçons. Ah non, ça y est, c'est la fin. Ouais, mais. D'ailleurs, les glaçons, faut les garder. Dans faut le frigo. D'abord manger les périssables, hein, parce que les glaçons, ça ne périt jamais. Il se trompe. Il se trompe, d'accord. Il se trompe. Non, il se trompe. Ah, tu comprends, ah. Il se trompe aussi, ouais. C'est un manque. Il se trompe. What is it? On n'a pas l'habitude de parler anglais, nous. Il se trompe. T'as besoin de manger, OP? C'est un. Tiens, mange ça, je peux pas le manger. Y'a pas de viande dedans. J'avais pas dit que c'est un. Moi, je suis un carniste. Sorry. Il y a des Don't Warn. T'as avec ton truc en porcelaine. It's okay. En porcelaine. Alors vous savez, vous savez que porcelaine, en fait, c'est très marrant parce que de base, on a l'impression que ça vient pas de la contraction entre le porc et la laine. Bah non, en fait, pas du tout. Ça vient en fait du vagin de la truie. Voilà. Et ça s'appelait porcelas ou un truc comme ça en latin. Laine. Non, porcelaine. Ça en rapport, hein. Non, bah non. Bah fait... non, mais comme laine, tu sais, laine. L'étymologie du mot. Pas la laine. C'est avec un truc. C'est... Ça venait du vagin de la porcasse. Yes. Voilà. Et pourquoi exactement? Écoute, j'ai pas été plus loin sur la définition du mot. Elle a de la laine? Non, pas de la laine. Ça vient du latin du porcelas. Et c'est la vulve du vagin, de la truie. Voilà. Parce que on se posait la question sur mon chat. Voilà pourquoi, tu vois, j'ai lu mon chat à un moment. Et là. Quelle erreur! Et donc forcément, bah on a commencé à regarder ça sur Wikipédia. La chatte de la vulve du porc. Ouais, parce qu'on nous on pensait que c'était une contraction entre le porc et la laine, mais ça n'avait pas de rapport la porcelaine. Putain, ça m'a intrigué ton histoire. Mais bien sûr, c'est intriguant. Tu vois? Je suis bloqué avec un truc en marbre sur le dos. J'arrive pas à l'enlever. Comment on fait? Attends, que je le déséquipe. Je suis fou de les billes, putain. Pourquoi la fumée elle est noire dans le feu? C'est mon âme. Oh. J'avais remarqué ça avant. Ah oui, c'est la boulette. Alors oui, j'ai 4 boulettes. Je mets 4 boulettes au frigo si c'est la tâche. Merci Daria, merci beaucoup. Et je vais... Je trouve pas de glaçons. J'en ai beaucoup. Bonjour. Ah ouais? J'en ai beaucoup, j'arrive. C'est vrai qu'on a plus de silex, moi j'ai pas d'outils. C'est bon, je suis en train d'en ramener. 31 silex. T'en ramènes? Comment ça t'as 31 silex? C'est la nuit. Ah si, j'ai des silex. C'est mes silex personnels quoi. Oh. Ça fait 2 semaines que je demande des silex. Et toi? Aïe. T'as pas voulu donner ton silex? J'ai pas écouté, je t'avoue. Ah bah bien, bah c'est encore mieux. Tu vois, c'est super. Attends, oublie, on refait. Bah quelle version tu préfères des deux, juste pour savoir? Qu'une. Ah! Bah du coup, je reste silencieuse. Du coup, pantoufle, tu sais comment on... je sais toujours pas le mot. Mm-hmm. Quand tu veux couper en deux une pile de choses. Diviser. Ouais, quand tu veux diviser... Scinder. Ouais.
T'as une touche, contrôle clic gauche. Contrôle clic gauche. Évidemment. Oh oui, merci. Et shift clic gauche ou shift clic droit, ça fait switcher tout un stack de du coffre à ton inventaire, par exemple, sans que t'aies besoin de glisser ou quoi. Oh là là. Ah ouais, technique. The champion of the techniques. Yeah, yeah. Par contre, la mandrake soupe, elle devient un caca. Ah, faut la prendre au moment. Bah ouais, mais du coup, on est tous... Ah, quoique, moi, je suis pas du tout full HP. Je vais aller me battre. Viens, au pire, on va se battre avec les araignées et après, on boit de la mandrake soupe. Je vais manger. J'arrive. C'est à moi que tu parles. Je t'ai donné ma... Je t'ai donné ma lance, j'en ai pas d'autres, du coup. Okay. Il y en a une au sol, là, regarde. Ah oui. Allons-y. Tu fais de demander, hein. On prend les pièges, non? Oui. Il y a pas des pièges encore, mais moi, j'en ai posé en mode débile. Ils ont l'air contrôlés ces coffres, donc je pense que c'est pas resté. Je me perds dans les coffres. Ah, mais j'ai plein de bouffe, je vais mettre juste au frais. On en avait laissé, je pense, en haut, non? Ouais. Oh non, j'ai les mains. Elle est où? En bas, à gauche. Je vais y mettre le feu. Je touche plus. Moi, je bouge plus avec. Range-moi cette. Tu ranges ça. C'est bon. Garde ta lance. Oui, elle est où? C'est tout. Tip 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 tilip. Et au final, on joue bien, non? Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, on n'est pas tous débutants. Comment ça? C'est-à-dire, OP, c'est la moins calée de nous et. Il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres, quoi. Ça. Ça veut dire quoi? Ouais, et. Il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres. C'est ça. J'ai l'impression à chaque fois que OP est sur un jeu, elle est débutante. C'est bien vrai ça, putain. Oui, tu parles d'Overwatch, ça va, je veux gérer, mais j'arrête. Ah, j'arrive. Allez, viens! J'arrive, je pose mon charbon. Est-ce qu'on veut encore des glaçons? C'est une vraie question. Oui, on veut tout le temps. En fait, tant qu'on n'a pas rempli un des deux frigos full, on fait de la glace. D'accord. Ok. Après, la glace persiste un petit peu après la saison d'hiver, donc on a le temps. On a encore 8 jours d'hiver. Très peu. Comment ça? En parlant de glaçons. Oui, elle persiste peu. Oui. Je pensais à un truc. Vous avez vu l'actualité concernant Ricard? L'entreprise? Ah, avec non. Les employés? Ouais. J'ai le mec qui doit picoler là? Oui, le mec qui doit picoler. Rigoler. Oui, moi aussi ça m'a fait rigoler. Genre ça c'est. Bah en fait, les employés de Ricard. Avant les réunions et après les réunions, ils devaient s'en jeter un petit. Parce que sinon, ça passait pas bien auprès de la direction, auprès des autres collègues. Sérieux? Ouais, bien sûr. C'était quoi, il y a 50 ans? Non, ils sont en procès là. Ah ouais? Quand j'étais serveuse, que je devais boire. Comment ça, il y a 50 tout ans? Tout récemment là? Hein? Wow. Attendez, on a une confession de quelqu'un qui était employé chez Ricard. Mademoiselle, pouvez-vous discuter? Par Ricard. Quelle entreprise? Service. Quelle entreprise? C'est dingue. On balance maintenant. Mais c'était mal vu si tu picolais pas quoi. Ah ouais? Mais ça m'a l'air d'être logique au final. Wow. Il faut connaître son produit. J'ai juste vu le tweet qui c'était ça et qui disait bah ouais quand tu bosses chez Dior il faut que tu portes les vêtements ou je sais pas quoi. Ouais pareil. Wow, enfin, ah ouais. Enfin, bah, ça m'a l'air d'être logique. Tu te rends compte t'es chez Dior et t'es en Chanel du coup. Pas possible. Oui à la limite mais putain, c'est fou. Et les patrons de Ricard c'est Monsieur et Madame Ricard genre. Viens au P. Oui Michel et Martine voilà qui ont dit bah c'était trop too much quoi. Donc du coup, maintenant, ils sont en procès, il va y avoir des sanctions qui vont être prises contre l'entreprise, j'imagine. Pas les employés, des cadres, ou je sais pas quoi. Oui, alors, évidemment. Ouais, bah, les cadres, c'est des employés. Bah oui. Mais pas ouais. Tout le monde, ils étaient pas là en mode, on signe un contrat, pas... et tous les jours, je dois boire mon litron. C'est pas comme imagine ça que ça s'est passé. Non. Tu bosses chez Ricard, et t'as un petit... Bonjour, un contrat a été signé, ça vaut grog. Et ça toutes les heures. Et ça encaisse. Sur Ricard, c'est pas moi le jeu. Hein non, parce que je pensais au glaçon du coup. Pas mettre ouais. Des gens à dos, mais. Ah, moi j'aime bien, moi. Ah, moi ça me dégoûte. C'est ah bon ouais, c'est la Nice. Ah, j'aime bien, justement. La Nice d'ailleurs. Pas la Nice, non. La Nice. On va dire la Nice. Hein. La Nice ouais. On va dire la Nice. On va dire la Nice. Mais la chanson, c'est c'est des sucettes à la Nice. Ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai. La dame. Peut-être parce qu'elle s'appelle Annie aussi, non. Peut-être, hein. Ah, ouais, ah, c'est oui. Genre une blague. Ouais. Ah ouais. Peut-être... Tu veux dire que c'est une métaphore? Non. Calme-toi.
ces bêtes. Il y en a encore celles pour lesquelles on vient, tu veux dire? Bah oui, on n'a pas commencé. Hop, je sais pas, en fait, j'ai pas compris quand ça popait. Bah quand tu tapes. Non, mais je veux dire quand ça, une fois que t'as niqué le camp, quand est-ce qu'elles reviennent quoi? Au bout de combien de temps? Un jour, une nuit Un jour. En fait, tu sais, tu tapes un coup pour voir ce qu'il y a. Non, en mais je sais, Redryu. Et à un moment, ça sortira plus. Genre là, tu regardes, hop. Bah il y en a encore et une. Du coup, là, faut attendre genre. Donc là, on la tue. Pour que ça revienne. Ah non, putain, je suis débile. Et attends. Là, tu vois, il n'y a rien qui sort quand je tape. Ah oui, donc celui-là, il faut le défoncer et après, il faut remettre dans le neuf. Non, parce que là, il n'y a que deux. Il n'y a que deux stacks, tu vois. Il y a genre le gros œuf et une petite boule au-dessus. Oui. Et ça drop un œuf quand il ça... y a deux petites boules. Donc quand il y a trois stacks. Ah, ok. Ça se mange le poisson pourri? Mais qu'est-ce que. Non. Un souli, elle. Hop. Est-ce qu'on doit ramasser les citrouilles? Nickel. Ouais, voilà, encore une fois, des questions sans réponse. Je sais pas, la citrouille, c'est des lanternes en fait, je crois, les citrouilles, non? Ah oui, des lanternes, ouais. Ouais. Bah ouais, tu peux. Ok. C'était quoi ta question? Est-ce que les lanternes, c'est intéressant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est plus? Oh, c'est cool, ça fait de la lumière. Ça fait de la lumière gratos dans le campement, quoi. Ok, d'accord. Sans mettre je n'ai toujours pas trouvé d'or. Ah, j'en ai trouvé un petit peu, là. Ah! Pas beaucoup. T'es parti où, toi? En haut à droite. Je repars au P, hein. Ah ouais, droite. Je suis parti une araignée. Ah bah c'est bien, t'as bien fait. Vous revenez pas au camp? Si, moi je remonte. La nuit, bah oui, faut que je remonte aussi. Vers le camp. Je vais peut-être essayer de taper des glaçons s'il y en a sur le chemin. Mais il n'y a pas l'air d'y en avoir. Oh dommage. Il y a des buffles, faut les taper. Oh, je plaisante, j'arrête. Faut que t'es pile. Le guano, ça fait quoi? C'est la même chose que le caca normal? Fait nuit! Moi aussi! C'est quoi le guano? De quoi? Le guano. C'est le caca des mouettes. Hein? C'est caca les mouettes. Ah, il faut bien qu'elle se soulage. Pantoufle, tu es mute. Ça s'appelle le guano, c'est bon? Oui, je sais, mais j'ai insulté mon chat, c'est pour ça. Ah, yeah. D'accord, okay. Ah, toi aussi, t'es là! Ah bah bienvenue. Non, j'insultais pas. Ouf. Ça commençait à faire des blagues par rapport au Ricard. Imagine s'il faisait pareil chez Dorcel. Ah ouais. D'accord. Avant la réunion. Oh, ouais. Mais non, ils sont originaux tes gens là. C'est la blague de Jacques Michel ça. Ouais, voilà. Ouais. Ils l'ont mis sur Twitter. Ah bon? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Il est rigolo le CM de Jacques Michel. De Jacques et Michel. Jacques. Plein de pièges dans mon inventaire. J'ai bientôt plus de bonnet. 22%. Je dis ça, je dis rien. Il y a un kit de couture si tu veux le réparer. Hein, au... Ah, d'accord, ok. Il doit être posé au sol. Et oui, ça sert à ça. Il vient de le récup. Si on m'écoutait. Non, mais j'étais écouté. Moi aussi, j'adore. Mais je pensais pas que ça marchait aussi avec le bonnet. Ah ouais, tout ce qui est. Ouais, ouais, bonnet, pierre thermale. D'ailleurs, c'est bizarre réparer une pierre thermale avec un kit de couture, je trouve. Bon. Dans mon chat, ça dit. Pourquoi ne pas faire une cage à oiseaux pour du guano au lieu du caca? Ça fait tourner les fermes plus vite. Le guano fertilise 1,5 fois plus vite que le caca. Bah voilà, c'est pas la même chose. Allez, suce au guano. Je l'ignorais. Me too. T'es plus capitaine, capitaine. Destitution du capitaine. Le coup dur. C'était qui le viewer en question? Parce qu'il va être les capitaines du coup. Ça s'appelle le Greco. Alright. Alright, alright. Donc toujours direction la glace? On fait que ça? Je sais pas, moi je me fais un peu chier là, je vais pas mentir. Bah pareil. Ah ouais. Ah bah ouais. Parce que c'est le jeu trop facile. J'ai arrêté de jouer, vous allez voir. Eh ouais. Parce que non, je rigole. Mais objectif. Ah non, mais je veux dire, je fais des trucs dans mes journées quoi, mais ouais. Je vais toujours casser des araignées quoi. Ouais, je vais casser de la glace. Bah parce qu'il faut se faire des objectifs de craft, tu vois. Par exemple, est-ce que t'as le chapeau pour voir la nuit, le petit chapeau lumière? Non. Est-ce qu'on a des queues de cochon pour avoir nos parapluies quand l'automne viendra? On peut aller taper des cochons. Mais oui. Mais oui, mais c'est toi, le monsieur bagarre. Ah ouais, mais moi, non, mais c'est pas parce que je suis... Non, tout le monde peut se battre, attention. C'est pas parce que j'ai un passif guerrier que je dois aller me battre. Exactement. Ouais, je comprends pas, moi j'ai envie d'étudier, de lire des bouquins. C'est pour ça qu'on doit me réduire à ça. C'est tout à fait plus opti sur toi.
Ah bah. Ah, ouais, je suis pas sûr. Moi, j'ai d'autres trucs à faire. Je fais un truc aussi, moi. Et bah, délègue aussi, non? Ben voilà, je viens de déléguer. Ah oui, non, délègue ce que je suis en train de faire. Bah, je sais pas, chercher de l'or, il nous faut de l'or. On galère. Et j'ai une. Je vais me refocus, j'étais en train de faire de la merde. Même si là je t'ai dit que t'en avais trouvé, mais il en faut pas trouver un peu, il en faut trouver beaucoup. Très bien, je me barre à l'est, je vais chercher de l'or. Je partirai 7 jours durant. Putain, par contre, je vais pas bien, faut que je dorme, pourquoi je suis pas allé dormir? Ah, j'ai pas pris de meatballs. Ok, je reviens en campement. Débile. Moi je suis parti, mais j'ai pas de quoi faire du feu. Donc bon. Ah! Bah, un bel objectif, ce serait de tuer le Dirklop. Si vous trouvez le Dirklop, prévenez. C'est un gros monstre avec un gros œil. Bah il est en haut là, avec son œuf. Non. C'est un oiseau. Ouais, ouais, non, oui, non. C'est un, encore plus gros. Ok. Je vais aller où moi? Je vais aller... ici. Hop. À toutes. Bah je vais ici aussi. C'est vrai, c'est là où tu vas, là où j'ai mis mon ping? Bah oui. C'est bon, on peut se partager l'endroit. Non. Je me casse. Je vais aller... Mais non mais là-bas c'est les cochons. Je vais aller dans la forêt ici. À l'autre bout de la planète, littéralement. Je vais à manger, hein. Je suis toujours au camp. Je me casse. Ça sert, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est rangé, ouais. Il y a une Spider King. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est une araignée qui se déplace? En fait, non, c'est un objet. Tu sais, comme les milliards de merdes qu'on a ramassés sur la route. Ah, oh putain, il y a un tentacule! Ah oui, t'es dans les marais? C'est ça quand tu passes? Ouais, putain. Mais les marais, on les voit pas, les marais? Bah, pas quand il neige, non. Je me suis fait démonter. Ah ouais, les tentacules, c'est ce qui fait le plus mal au cul de tout le jeu, je crois. Ah ouais, vraiment, à ce point? Ah ouais, ouais, ça se met des trichotes, là. Pa. Oui. Oui. Oh putain. J'ai trouvé de la glace. Oui. N'oubliez pas la mission glace. Ah oui, c'est vrai. C'est pour faire à manger, la glace? Oui, tout à fait. Bon, parce que j'étais en train de tout utiliser, je commençais à suer un peu en mode... Ah, Comment c'est en train de utiliser? Bah, j'utilise toute la glace pour faire à bouffer, quoi. Ah, est-ce qu'il y a des légumes dans les frigos? Oui, il y a full légumes. Non. Et... Opekra, tu peux vérifier pour moi, pour me dire s'il y a des légumes, s'il te plaît? Oui. Mais... Alors... Il y a deux champignons, il y a un poisson... Et il y a... une soupe. Non, il n'y a pas de légumes. Pas de légumes? Dans les deux frigos? Non, non. À part les champis? Ok. Bah oui, mais ça voulait pas que je fasse des fermes. Non, mais je dis ça parce que... La glace, faut l'utiliser que quand il n'y a plus de légumes. Bah oui, mais il n'y a plus. Pourquoi? Okay. Bah je reviens avec, parce qu'elle se périme, elle se périme, ah oui, elle se jamais. Pas, vous aviez dit, enfin tu avais dit. Yes. Mais là je reviens avec 30 carottes et 20 berries. Est-ce qu'on se croise sur ton chemin, Pantouf? J'en doute, je suis au sud, là où il y avait le roi cochon. Bah ouais, mais c'est vers là où je vais. Ok, je ne savais pas. Ah oui, on va se croiser. Je suis en train de faire masse, c'est la forêt qu'on avait brûlée là, je ramasse tout le charbon là. On va avoir du combustible à l'infini. Oh là là, ça fait plaisir ça. Ah ouais. Je fais tous les bords de map pour essayer de voir de la glace. Cool. Point, 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 point. Champignons, faut les garder, faut pas les manger, vous aviez dit, ça utilise des trucs, ça fait des trucs cool, c'est ça? Ouais. Ouais, ça redonne. Ouais, moi je suis pas hyper. Ouais. C'est pas très champignon quoi. C'est pas très champignon, ouais. Okay. Ah super. Je suis un peu déçu parce que c'est moi qui les avais récoltés quoi. Bah, oh, y'a de l'or là! Oh! C'est vrai? Il y a un seul truc d'or. Hein. Ah, ok. Désolé. Par contre, t'as vu en face de l'autre côté, y'a de la rocaille. De l'autre côté de la rivière où tu es. Et Je sais pas comment y aller pour l'instant. Ouais. À mon avis, un peu plus au sud. Je pense que c'est. Je vais aller couper du par coup, là, soit regarde. Plus au sud, soit avec un wormhole. Par là, regarde, j'ai mis un flag. Ah, mais y'a un. Tu veux pas se taper l'œuf d'araignée là? C'est là, il est niveau 3. Qu'est-ce que c'est avec tes araignées? C'est niveau 3. Ok, j'ai pas, ok. J'ai pas envie qu'il y ait une araignée qui vienne nous agresser, c'est tout. Ah ouais, ça va, elles vont à 2 à l'heure là. Je m'en bats les couilles, elle existe. Je veux pas qu'elle existe.
Sachant que je suis full de chez full là pour l'instant. Ouais, moi aussi. Et t'as une lance ? Je crois que t'avais plus de lance. Ouais, j'en ai une. Je me fais attaquer par des Kinder Pingouis. Ah merde, il fait nuit. Ah, c'est peut-être pas une superbe idée. Ah oui, c'est chiant. La nuit. Ouais, j'ai plus de place. J'ai une torche à 3%. T'as une torche ou pas ? Oh ! Je vous passe secours ! Je me fais taper, j'arrive pas à craffer ma torche ! Vraiment, secours ! Ah ! Vous êtes tous morts ? Ah, les idées à la con, hein ! Oh putain, oui ! Vous êtes si les idées à la con de... Vous êtes tous morts. Et je me fais chier sur le jeu, ouais. Je vais cramer, je vais cramer le camp. On se fait chier. On se fait plus chier. Faut que la nuit passe vite, je vais pas assurer la survie. La main. J'ai pas de bois. Je vais mettre des... J'ai 20 HP. Il y a du charbon posé près du feu, normalement. Oh, je panique. J'ai 20 HP. Et c'est la guille, en plus. Oui, grave. Mais casse les couilles, la main, là. Ah bah, on est bien, là. Ouais. Je ramène du roseau. Je crois que t'as besoin de ça. Le roseau, c'est très bien. Ah. Roseau plus. Enfin, enfin une gentillesse. J'aurais bien aimé dormir un peu, c'est dommage que je sois seul. Est-ce que t'as des slots de ça? Tu peux allumer le feu et te mettre dans la tente, OP. T'as pas besoin d'être. S'il y a des mains. Hein. Bah non, t'inquiète pas. Les mains, elles vont pas te toucher. Non, mais les mains, elles vont pas éteindre le feu? Si, un peu, mais c'est pas grave. Ok, je prends un risque. Tu restes dans la tente, ok. Non, mais dors avec une tente, une torche sur toi aussi. Dans la tente? Je dors avec une torche. Dans ton sac. Ah, mais... Il faut te le expliquer. Il y a des mains. Je suis dans la torche. Il y a des mains, c'est pas grave. Mais est-ce que... C'est pas grave. Parce que le risque, c'est qu'effectivement, qu'il fasse totalement nuit au moment où tu veux sortir. Mais si t'as une torche dans ton sac, ça va. Et si je mets le feu à la tente? Non. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Tu veux... T'as de la place ou pas dans tes sacs, Ellie? J'ai un tout petit peu de place. Moi je rentre au camp honnêtement parce que je... faut que je me vide. Attends. Ok. Arrête de faire de la spéologie. Dans ta tente. Dans ma tente quoi. Parce qu'elle a de la spéléologie, elle a dit. J'ai bugué. D'abord on tue. Les c'est araignées. Putain, la main. Mais arrête la main. Est-ce putain que avec la lampe. Tu vas faire un malaise. Voilà. C'est bon. Hop. C'est bon, je suis full. J'ai amené. Alors là, si je tape un coup, est-ce que ça allume le. Ah oui. Oh mais non, mais ça a brûlé. Mais t'as tout brûlé, c'est une forêt. Mes trappes. Oups. Mes ressources. Oups. Oh. Mais ouais, mais le jeu est mal fait. Ah, le jeu est mal fait. Hein. Là, je suis d'accord. Une frappe plus chez lui. Parce qu'en fait, il y avait marqué chaud, clic droit, light, donc allumé. Mais clic gauche, il y avait rien, donc j'ai tapé au clic gauche et ça allumait aussi. Bah oui, t'as tapé avec une torche quand tu tapes un truc. Si je te mets un coup de lance-flamme, à ton avis, t'as chaud ou pas? Mais c'est un lance-flamme, pas une torche. Mais c'est pareil. Tu me donnes un coup de torche, je m'enflamme pas, c'est pas une combustion spontanée. Ça dépend, ça dépend. Si, par contre, si tu mets la torche sur mon cul et t'attends 5 minutes, oui, mais ça, c'est comme ça que j'aurais dû être. Ouais, mais là, du coup. Oh, y'a un cochon! Y'a un cochon et une araignée, ils se battent. Moi aussi, je vais me battre. J'ai fait à manger maintenant. Non, j'ai batté l'araignée. Oh merde, j'ai plus de potes. Faut toujours de l'or ou pas? Araignée, attaque le cochon. Ah oui, il faut de l'or, OP, t'en as vu où? Je sais pas. Okay. C'est juste une question comme ça, gratuite. Tuez-vous entre vous. C'était rhétorique. Tuez-vous. Je vais en trouver, quoi. Ah ouais. Battez-vous, battez-vous. Bah, on est sur la mission. On a trouvé, regardez, tu vois nos drapeaux, nos points blancs sur la carte, OP? Vos points blancs... Par exemple, là, si oui, je mets un. Ah oui! Trop bien ça! Ouais, ah, c'est comment bien. Vous avez fait pour mettre ça? C'est un mode apparemment. Trop bien. Bah, tu vois les deux points blancs en bas à gauche? Ouais. Il y a sûrement de l'or là-bas. J'y vais! Par contre, voilà, prépare boulettes de viande, pierre rechargée. C'est le bordel, il y a plein d'objets par terre. Ah ouais. Ça, c'est là, j'y fais des allers-retours, il pose tout par terre. Non! Oh pardon. Ah putain, c'est marrant, c'est... J'ai un message. Alors, bizarre. Sachez... Il y a un message. Mais attendez, je viens d'apprendre un truc. C'est qu'en fait, tu sais, moi je suis très hostile envers les... Enfin, les cochons et moi, vu que je suis Weber, c'est hostile. Mm-hmm. Donc en fait, quand je fais F à côté d'un cochon, tu sais, un cochon et une araignée qui se battent, bah ça focus l'araignée et pas le cochon. Alors que normalement, l'araignée, c'est mon pote. Ouais, bug du jeu, ouais, bien sûr.
Bah non, je dis pas que c'est un bug, je dis juste c'est un truc que je savais pas. Mais un du coup, moi je pensais, taper le cochon. Ah, et du coup, l'araignée est morte, c'est le cochon correct. Non, non, du coup, j'ai tapé l'araignée et par contre, le cochon lui m'a aggro. Et du coup, en fait, j'ai tourné le dos au cochon et là, j'ai vu son poing s'élancer et j'avais 20 HP. Donc. Bah voilà, après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une pierre de résurrection pas loin. Ah, c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas perdu. C'est facile quand tu meurs toi que moi, en tout cas, j'ai l'impression. Go here. Je remarque surtout quand elle meurt, elle te fait une explication de texte de 3 lignes. Ça, on dirait les enfants là qui sont coupables, tu sais. Ils racontent, ils parlent. Ah non, mais je vous explique le contexte. Merci. C'est tout. Arrête parce que sinon je reste là dans l'herbe et je laisse votre. Ah bah d'accord. Super. Allez, chien. Super. Donc du coup pour vous expliquer le contexte. Bah, je me baladais tranquillement en fait. Voilà, je ramassais des trucs. Il y a une tentacule qui a spawn là, tout d'un coup. Horrible, et puis qui m'a tout shot. Ah. Voilà, donc. D'ailleurs, on dit un ou une tentacule. Un tentacule. On dit un, ouais. Après, l'ai-je allé dans le marais quand il y a plein de neige. Tu cherches un peu la merde, hein. Mais, un petit peu quand même. Mais c'était juste à la lisière du marais. Oh, sachez aussi que si j'explore la map en tant que fantôme, ça la débloque pas sur la carte. Cool. Il faut pas qu'on lui trouve des trucs pour qu'il se revienne. Bah pour l'aige, il va falloir lui faire un cœur. Glande d'araignée et dans l'onglet survie là, la corde à gauche, il y a le cœur, c'est le premier truc. Trois feuilles, trois herbes. Enfin, trois herbes et une glande d'araignée. Pleure pas. Par contre, j'ai que deux herbes, moi, c'est chiant. Heureux. Oh, j'ai eu peur. Il fait nuit. Non, 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 il fait pas nuit, mais il fait froid, par contre, on court vite. Oh putain, oui, j'avoue. Oh, mais comment je vais faire, du coup? J'ai pu avoir du mon coup, bonnet, cœur, etc. Attends, mais... En fait, je vais remourir, là. Bah oui, bien sûr. T'en restes beaucoup trop loin. Il faut mais aller non, 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 mais c'est pas ça. Faut que quelqu'un aille avec elle pour lui donner son stuff. Non, mais oui, mais là, je vais récupérer mon stuff. Mon stuff est pas trop trop loin, mais. Moi, par contre, ça sera le cas. Prends le trou de verre violet. Trou de verre violet. Il est où? Il est où? Cherche la carte, il est pas loin de toi. Ok, il est en haut à droite. Ok, je te retrouve là-bas. 48, 47, 46, 45, c'est mes HP. 44, 43, 42, 41. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, on prend les paris. 3 sur. Ça risque d'être compliqué. 3 contre un camer. Mais en fait, je vais mourir du cerveau. Ok, j'ai 29 HP, je suis dans le wormhole. Ok. T'es où, Gaston? Je suis, alors, je suis en train d'aller en haut. Pour la prochaine. Okay, je dois aller où? Je dois aller où? Descends au sud, 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 sud. Merci. Ok. C'est mort, hein. Je meurs devant tes yeux. Oh. Je suis à 19. Cœur pour toi, Gaston. Non, non. Alors, non, 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 n'y va pas maintenant, c'est la nuit, c'est la nuit, retourne au camp. Retourne au camp. Retourne au camp. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mets-toi près du feu, mais. Mais je suis près du feu, mon. J'ai eu à 35 degrés, figure-toi. Ça remontait, hein. Je suis morte de freezing à 35, c'est bizarre. Ah, moins 35. Non, je vois 35 là. Ah, mais c'est mon fantôme qui a 35. Putain, mon fantôme il est chaud, hein. Je fais peur. Gaston, j'ai ton cœur. Oui. Bon, ça va les coups de niquer la pierre de résurrection. Regarde ce que je t'ai rapporté. Ah, ouais, merci. Du Nightmare Fuel. Un de Nightmare Fuel. Mais du coup, tu peux te rapprocher, Gaston, non? Hop. Pardon? Tu peux te rapprocher pour que je te file le cœur, non? Je sais pas comment ça marche. Hop. Oui, il faut qu'on vienne, on va au camp. Hein? Mais viens, du coup. Mais tu fais baisser notre santé mentale, en plus. Mais t'es où, là? C'est moi, ça. Je suis au camp. Alors, moi, j'attends quelqu'un à côté de la pierre de Résurrect pour qu'il puisse me donner quelque chose. Mais est-ce que c'est ça? Ah, mais Non? Non ? Faut que j'aille au camp ? Viens. Ouais, viens au camp, on fera tout, on fera tout au camp. Oh. Attends, va falloir que j'aille retourner chercher tous mes objets ? Ouais, va falloir qu'on t'escorte. Oh, une main. Il y a deux mains. Une main. Oh non ! Oh non, il y a le Dirklop qui spawn. Faut que je m'éloigne. Si, il est sur moi. Parce que là, si je le fais spawn sur le camp, il va raser le camp. Est-ce qu'il peut spawn là où il y a des... Va-t'en, OP. Va-t'en OP. Va-t'en OP. Ouais, prends ta torche et OP et éloigne-toi du campement le plus possible. Il arrive. Il est dans le campement, il est dans le campement. Non, tu brûleras. Il est en train de défoncer le camp. Arrête. Je te mens même pas. Ma ferme. Mes fermes. Mes coffres. Non. C'est la faute d'OP Crop. Pense. Je lui fais peur, je lui fais peur.
Ça fait deux fois qu'elle détruit notre camp. Je suis en fer maintenant. Si, t'entends bien. Mais ça veut dire qu'il spawnait sur toi. Oui, mais tu pouvais pas le savoir. Non, va pas là-bas, va à droite, va-t'en. J'ai plus de torche. J'ai le butin, j'ai le butin. Je vais crever en fait. Du coup, je. Mais non, reviens près du. Pourquoi vous avez enlevé. Vous avez enlevé le charbon encore près du. Je l'ai dans mon inventaire, tu le veux. Je vous ai dit de le laisser par terre. Jette-le. Mais non, mais va pas dans le monstre. Jette-le près du feu. Non, mais je l'ai drop, je sais pas. Mais. Ah, t'es mort. Tout le monde est mort. Sauf moi. OP. J'ai un cœur dans mon sac si jamais. Oui, oui, non, mais là, je vais pas reste quelqu'un maintenant là. Je suis sûr que mon mur il a servi. Mais si, si, on a un camp, on a un camp. Et ça va. Quand il casse suffisamment de trucs, il. Attends, j'attends que je l'ouvre. Ok, mais mon mur il a grave servi. Hein. Ah, Vitoff, vite fait. Vitoff, regarde comme il a été explosé. Oh, je veux le charbon, il est où, Charbax? Je suis très fier de moi, voilà. Ça n'y changera rien. Oh putain. Oh, attends, faut que je le tape et que je l'éloigne en fait. Ouais, mais faut que je tape un coup. Eh, salaud. En fait, il est sur toi. Ouais, il est sur toi. Du coup. C'est bientôt la fin du jeu. Attends, mais c'est la merde, là. Là, c'est... Ah, t'es tout seul, là. Là, t'es tout seul. Amène-le dans les bisons. Ouais, mais il va... Tu sais qu'il les tue tous, hein. Tu penses, les deux paquets de bisons. Et ah ouais, il les tue tous. Et en plus, on aura plus de bisons. Ce sera full caca. Dans les pingouins, alors. Bon, les pingouins, ils les baissent encore plus. Ah bon? Vous m'aviez dit que les pingouins... Tu crois qu'ils tuent tous les bisons, là? Ils sont beaucoup, quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ils sont 9, hein. Ok, j'ai 1 de santé mentale. Moi, je pense que ton dernier espoir, c'est... J'ai juste à 0 de santé mentale, c'est... Regarde, il va tous les geler, en fait. Ah, non, regarde, il le croque, il le croque. Voilà, tu vois, là, ils sont gelés, ils attaquent... Oh, putain. Oh, je prends des... Je me fais... Voilà. Tu te fais attaquer par le shadow. Par les fantômes, ouais. Je peux pas leur faire peur, aux fantômes. Mais vas-y, je surveille le Dirclop, moi. Ok. Là, il fait des câlins, là. Il fait des câlins, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les bisons sont toujours pas morts, pas un seul bison mort. Comme ça. Ok, nice. Non, je veux plus parler. Moi, je vais attendre le crépuscule, voir si je peux dormir. Ouais, je vais dormir. Toujours pas de bison mort. Ah, si, il a tué plein de bisons là, d'un coup. Waouh. Attention, deuxième vague. Oh. Ah, ouais, t'as raison, il tue tout. Par contre, et waouh. L'abondance. De viande. Ouais. Ouais. Oh, ouais. S'il y a plus personne pour la manger, la viande. Il y a deux bisons. Oui, bah, alors le thon. Déjà. Il y a deux Buffalo Horn. Il y a plein de poils. Non, j'ai par trois. Par la bonne quatre... nouvelle, c'est que le Dirclop, il est. Ah ouais, mais du coup, il est passé aux autres bisons. Oh non, ça fait chier. Bah, il est toujours pas sur toi, du coup. Hein. Yes. Ouais, mais là, il va me lâcher. Il va nous a lâcher, en fait. Maintenant, il va se balader. Et puis, si on a pas de chance qu'il passe par le camp. Bah... Il va péter à tous les bisons d'abord. Mais le problème, c'est qu'on l'a amené dans un cul-de-sac. Ouais. J'essaie de faire peur au buff pour qu'il s'enfuit. Notre tard, il est mort. Attends, le buff, sauve-toi! Non, il est mort, il meurt devant moi, j'ai l'impression d'être Simba! Arrêtez, fuyez! Je suis désolée! Oh là là! Oh, il va attaquer les araignées maintenant? Ou il va sur d'autres bisons? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va toujours pas sur toi. Hein. Ouais, moi j'ai 30 HP, je suis à 2 doigts de mourir, j'ai 3 milliards de fantômes au cul. Non! Okay, oui, c'est bon, il a pas tué les bisons, il a pas tué le dernier bison. Il erre dans la savane. Oh non. Putain, je peux pas dormir, oh là là, mais ça va être chaud. Honnêtement, le Pourquoi game tu over. Peux pas dormir. Parce que j'ai 0 de santé mentale et j'ai tous les fantômes. Je peux pas me dormir si je suis attaqué par les fantômes. Ah, il t'attaque même dans la tente? Non, il me dit d'abord débarrasse-toi-en avant d'essayer de te coucher. Est-ce que tu veux que je vienne prendre mais un qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le mets là? T'as vraiment cul de code. C'est bon, c'est bon. Il doit être rangé ici. C'est bon, je vais me mettre à la tente. Venez tous au camp. Ok, je lâche le Dirclop. Yes. Je vais faire 3 coeurs, je vais tous vous raise. Mais là, je suis en train de me régène. En vrai, vous gérez. Il nous reste un campement de... Il nous reste 2 campements de bisons. Ok, cool. Cool. Je persiste à dire quand même que mon mur, il a servi quelque chose. Ouais, il a mis 3-4 coups. Oui, c'est vrai, ça nous a épargné quelques... Ça a temporisé, quoi. Pourquoi il y a full caca? En vrai, on a de la chance parce qu'il a tapé ni les frigos, ni la science machine. On a eu de la chance. Chance? Ouais.
Dans notre malheur, on a eu de la chance. Mais ferme ! Il a servi à quelque chose. Un peu. Ferme, elles sont mortes. Oh, pas toutes. Il en reste une. On est là. Ça, c'est chaud, hein. Je mourais là, on était game over. Il s'amuse à faire déplacer le caca. Alors. Tu peux pas, ça te prend des HP, hein, oublie pas. Ouais, ouais. Ça te prend des HP de faire des cœurs. Tout à fait. Je fais attention. Hop. Putain, merde, j'ai pas assez d'air pour. Ah si. Je pense qu'on va pas, on va pas sortir indemne de ce live. Un cœur. Surtout qu'il nous reste 15 minutes, quoi, donc. Merci. Oh, deux cœurs. Non, mais non. Ah, attendez, hein, parce que là vous êtes très. Non. J'étais bien. Mettez-vous près du feu. Oui. Oh. Merci. Vous êtes très vulnérable. On est tout nus. Oui. Oh, mais j'ai plus de barbe. Donc là, va falloir que je vous escorte jusqu'à vos stuffs, quoi. Un par un. Et le truc, c'est que sans pierre thermale, c'est compliqué. Mon stuff, il est pas là, moi. Faut refaire, non, des pierres thermales. Ouais, ouais, faut refaire des pierres thermales, là. Au moins ça. Oh, oh putain, mais il faut des cailloux et du silex. Je crois que j'ai un peu de ton stuff OP sur moi. Sauf qu'on a pas de cailloux de silex. Ah si, on a du caillou. Le silex, le silex était dans mon stuff. Ouais, moi aussi. Terrible. Terrible. Attendez, je crois que j'en ai peut-être en rab. Je me remets full HP. C'est vrai que t'as tout mon stuff. Tout Oui. Ok. Je peux me faire. Je vais ramasser les cacas, c'est un peu perturbant le bruit là. Il me faut deux de silex. Mais... Alors. Merde, mon sac. Deux de silex. Il me faut deux silex moi pour. Tiens. Pour mener à bien cette mission de pierre thermale. Merci. Oh, c'est la merde, j'ai plus rien, j'ai plus d'équipement, j'ai plus de taf. Ok, j'ai au moins la pierre. Yes. En vrai, on doit pouvoir se faire des bonnets aussi, on avait full poil et full toile d'araignée. Hein. Peut-être moyen, ouais. Ma pierre thermale. Ta pierre, ah oui, je l'ai, en effet. Tu dois avoir d'autres choses. Hop. Aussi, donc il faut une pierre pour l'aige, qui est AFK, je pense. Non, non, je réfléchis un peu. À la vie. Tu te touches les couilles, oui. Il est dépité, l'aigle. On a bientôt fini, 5 minutes. L'aigle, il est au bout de sa vie. Je pense à tout mon stuff qui était si loin. Oh, t'as eu un truc violet. Ça veut dire quoi? Oasis Bound Hands. Ça veut dire que c'est bien? C'est... Waouh! Waouh! Et en vrai, c'est nul. J'ai eu des gants, des manches. Des manches? Des manches cactus. Des gants manches cactus? Ça a l'air nul, hein, dit comme ça. Oh, ça a l'air bien nul, des manches cactus. Ouais, je sais pas trop, mais sympa. Alors, attends, je vais faire une pierre pour l'aige. Vous avez des pierres sur vous? Il me faut 10 pierres, j'en trouve pas. Je pense il y en a dans le coffre, dans le premier coffre. Faux. Ah si, deuxième coffre. Oh mais c'est... Ils sont repartis en couille les coffres. Moi j'étais morte. Moi ça fait 20 minutes que je suis morte. Tiens, de l'aige. Merci. Pipi poupi. Moi j'ai tout, hein. J'ai bonnet et cailloux. Et donc là je peux repartir? Non, non, on va y aller ensemble. Ok. Il y a la moitié de ma vie qui est noire, c'est normal. Genre... Oui, oui. Ouais, c'est normal, c'est parce que t'as été res deux fois. Je peux pas récup' ça? Avec une seringue, donc c'est la seringue, c'est moisissure. Moisissure, nitre, c'est l'espèce de minerai pierre, chelou. Or, là. Ouais. Et dard d'abeille. Ok. Ouais. Ah, mais. Dard d'abeille. Faut ces trois trucs, ouais. Je pense qu'on en a un petit peu, mais. Déjà, moi je pense qu'on va faire, on récupère chacun de tous vos stuff, on rentre à la base et on déco. Je pense que okay, ça. Chef. Je suis parti. En vrai, moi allez, je peux y aller, juste plante et le chapeau. Ouais, avec la pierre et le chapeau. Je sais pas où vous êtes mort, moi. Vous êtes OP dans le camp. Là, j'étais mort où, toi? Très loin. Ok, je te suis. Moi, je suis morte vers le wormhole, donc. Mais j'ai pas de bonnet, c'est grave, docteur? T'as une pierre thermale, tu la sors, toi? Oui. Ouais, non, ça suffira. C'est trop marrant, ce bouchon que t'as sur le nez. Oui. T'as un skin? Non, non, c'est de naissance. Ok. Ah, c'est un skin cochon en fait, t'es déguisé en cochon? Eh oui. Ah ouais. Heavy. Trop bien.
C'est vrai que c'est pas mal. J'aurais peut-être dû manger avant de quitter la base. Ouais, pareil. La prévoyance. C'est la base du jeu. De la survie. En vrai, la bouffe, ça va, c'est juste que j'ai 34 du coup de cerveau là. Ah ouais. Faut que je trouve des fleurs en chemin. Merde, à chaque fois j'oublie les onglets où il y a les trucs quoi. En vrai, on est pas mal quand même. C'est bois, minerai, monstre. Non, je parlais de la machine. Ah. Je pense que je vais vous faire des tentes comme ça là. J'en fais en avance. On pourra s'en mettre full. Bien comme il faut. On va se mettre full. Merde, ça sera une pure, une grande araignée. Ouais, il faut qu'on fasse. Ok. Est-ce que je suis morte là? Comment on fait de la pourriture? Faut laisser les trucs pourrir? Oui. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix, ouais. C'est chaud, j'en ai que deux, c'est mort. Ok, ouais. C'est reparti. J'ai récupéré le stuff. Je sais pas ce qui pourrit. Il y a un truc qui pourrit facilement, je crois. Le fromage? Non. Non, mais je crois que n'importe quel légume, tu le mets par terre et puis. Mon chat me dit les pétales. Sauf que là, c'est l'hiver. Donc, les pétales quoi? Ah ouais, les pétales dépérissent très vite, ouais. C'est vrai. Il y a des dards là? Ok, j'ai récupéré toutes mes affaires. Bien joué. Waouh. Oh la chance. Mon Dieu, tu viens du miel. Oh, ma pierre thermale, elle s'est cassée. Je reviens. Moi aussi. T'en as plus de bois. Tu veux quoi comme bois? Moi, du vrai bois, bois? Du vrai bois, ouais. J'ai 40 moi sur moi. Non, en fait, je veux pas de bois. J'ai mytho. D'accord. Super. Je me suis trompé. Super. Bah, yes. Quelqu'un a de la pourriture ou pas? Nine? Non, il y en avait à côté des fermes. Dans le coffre que le Dirtclop a exposé. Regarde s'il y en a pas au sol. Dans le bordel. Après, regarde, on a trois bouffes. Ah, je sais pas qui craft des bouffes dégueulasses, mais il y en a. C'est Lège. Non, j'ai arrêté de faire ça. C'est moi qui fais de la bouffe dégueulasse. Peut-être. Comment on sait quand c'est une bouffe dégueulasse? Bah, c'est pas des meatballs. Tiens, ça là, j'ai mis de la bouffe par terre, ne la ramassez pas. Ouais. Ah, non, moi, c'est pas moi ça. Quand tu cliques sur Predict, t'as pas le bouton Predict quand tu vas cuisiner, OP? Pardon. C'est un add-on qui te permet de savoir quand tu mets des aliments dans un crockpot ce que ça va donner, tu vois. Ah non, je crois pas. J'ai pas dû le voir celui-là, je vais essayer. Non, j'ai juste. Je sais pas moi, typiquement je mets genre 3 glaçons, une viande ou 3 baies, une viande, carotte, baies, viande et c'est tout ce que je fais. Hein. J'ai jamais autre chose, hein, de bizarre. Y'a des soupes qui rendent de ouf, hein, mais bon. C'est chiant, on va les gâcher. Hein. Ah non, moi je veux bien. Mon cerveau il est... Ouais, vas-y prends un truc de mandrake dans le... Mon cerveau il est flingué. Mon cerveau il est à 29, flèche vers le bas. Ah mais non, mais ça donne que 5 de sanity. Oh, ça rend sang. Ah ouais. Le charbon, laissez-le près du feu. Ah mais sauf que quand tu le manges et que c'est périmé, ça fait plus rien. Ah ouais, merde. Bah laisse-le par terre alors, comme ça fera du bruit. Ah ouais, je veux bien. Ok, je drop. Voilà, tout ça en fait pourrir. Dans 3 trucs pourris ou 4, je pourrais me faire une seringue. Bien. Du glaçon. Oh, du pourri! C'est bon pourri. Il y a des graines aussi qui vont pourrir là, je vois. Ah ouais, trop bien, merci. Hop. Oh putain, rôle. Mettre ça là. Par contre, là, mon cerveau, moi, ça va pas du tout. Hein. Bah, il y a la tente de dispo là. Ouais, bah, je vais la prendre. Mais en fait, j'aimerais bien remonter mes HP. Comment on fait pour se faire une seringue déjà? Pourriture, nitre et dard. Ouais, c'est dans survival. Ouais, je crois dans survival. Je me fais attaquer par les ombres. C'est dans la corde là. Je me fais attaquer par les ombres et j'ai 50 HP. Prends la tente. Ah, mais je croyais qu'on pouvait pas et qu'on se faisait attaquer. Je peux pas. Ah, tu peux pas. J'ai 15 de cerveau. Bon, tu te débrouilles, hein. Je fais à manger. Je peux les taper, moi. Je peux les taper. Parce qu'en fait, si elle me tue, là j'ai 30 HP. Oh, il y a les chiens.
Comment ça? Mais non. Vraiment? Si. J'avais pas fait une torche, j'ai que 30 HP, je peux pas me battre. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Dans la tente. What? Non, toujours pas? Non, can't sleep with monster nearby. Voilà, c'est bon. Ok, peut-être maintenant. Ok, c'est bon, je suis dedans. Je suis dedans, je suis dedans! Ah, bien joué. Je suis dans la tente numéro 2. Oh! Pourquoi ça fait un bruit? J'entends un bruit bizarre. Hein. Pareil. Moi j'entends rien du tout, j'entends que le vent inquiétant. C'est peut-être avec les qui ronflent. Pour ceux qui veulent se faire des seringues, il y a 3 dards dans un coffre. Et comme il faut un dard par seringue, voilà, je vous le dis. Bah je pense qu'il nous en faut une chacun, hein, des gens morts. Oui, c'est cool. Il y a ce qu'il faut en dard, quoi. Vie. Après, après, il faudra. Ah, c'est la pourriture qui nous manque. En fait, ce qui nous manque, c'est la pourriture, ouais, ça c'est chaud. Il y en a pas à droite du. J'en ai 3 sur moi, c'est tout. Hein. Il va y en avoir un petit peu là qui va spawn. Faut juste être un peu patient. Je commence à revoir les vraies couleurs. Bonne nuit Gaston. Tu m'as pas rendu ma masse, Pantou. Et oh, m'engueule pas, hein. Moi, je suis en train de tout donner là. Merci. Je m'occupe de la main. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort pas, elle. Viens pas gêner notre meuble, votre histoire. Ok, moi je suis full cervelet. Full cervelet. Re à tous. Oh non, la tente. Ouais, ouais. T'as niqué la tente. Ça part si vite. J'ai un cadeau. Voilà, il y a 50 graines. On prend pas les graines, on les laisse pourrir. Hein. J'ai un t-shirt jaune. Je mets. Je pense que c'est peut-être mieux de faire en sorte que les pétales soient séparés pour qu'ils soient. Non. Non, non. Là, c'est pareil. Bah. Ah, ils pourrissent à la vitesse. Bah, techniquement, non. Ah, si. Ah, si. Si, merci. Merci, j'avais pas compris. Pantouf. Quoi? T'as vu un skin incroyable? J'ai les jambes cactus. Ah bon? Waouh. Waouh. C'était nul, mais toi, c'est génial. Ouais. Ouais, je note. Ouais. Tu appelles pour faire au travail? Non. Si, faut que je trace. Confirme outfit. Attention. Vas-y, voir. Regarde mes jambes cactus. Incroyable. Parce qu'on est chacun un truc différent. On avait dit 18h30, je crois, non? Oui. Ah bon? Ah, 18h30 ou pas? Ouais, on peut pousser jusqu'à 30, mais faut que je trace à 30 pile, quoi. Ah merde, ouais, non. Ah, moi, on va pas la presser. Non, hein. Mais 30, non, puis on est sur une fin de cycle. Hein. On a tous raise, on s'est tous remis. Moi, je pense que c'est mieux d'arrêter là. Bah alors attendez, je mange. Je vous mon cadeau. Ah mais on a plus de viande. Oh, mon talon. Ah, ça veut dire faire des araignées, ça. On est bientôt à la fin de l'hiver. Viens. Allez, on va faire des araignées avant de déco. Ouais, 3 jours avant la fin d'hiver. Putain, c'est beau quand même. Ouais. Oh non, c'est bien. Il y a eu un moment difficile. Ah ouais. Il faut quand même remercier Pantoufle d'avoir tenu. Oh putain, les buffles, j'avoue, on a full viande. Ah ouais! Les cons! Mais. Ah ouais! J'ai pas le temps, Gaston! Oh la viande! Y'en a une deuxième aussi, y'en a une deuxième un peu plus bas, je crois. Mais pourquoi tu craques? La question c'est, est-ce qu'il reste des buffs sur cette planète? Parce qu'en fait, c'est oui, plus un mur là. Ah bah y'en a. C'est où la deuxième vague de buffs? Faut que j'en fasse. Il a tué un deuxième. Ah, c'est peut-être un peu plus haut? Arrête de casser les trucs! Tu veux me faire des murs? Genre, tu prends les pierres que je te donne et je fais genre des murs. Ouais, tu peux. En galère ouais. Avec la monstre marmite. Ouais, je l'ai pas vu. Ah. Je suis en galère de tout là. Des murs? Comme ça, les monstres ils cacheront les murs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de place aussi, hein, caca. Laisse tomber. Non, mais c'est où l'autre? Les murs? Là, il y a un buff. Oh non, il y a un buff tout seul. Il devait être parti chercher à manger. Il est. Ah, du coup, il a plus de famille. Oh non. Hé, hey, il est. T'as déjà vu ça? Regarde. Ouais. Hé. Oh, c'est vrai qu'on peut faire ça. Exploser notre squelette. Bah, en attends, fait, c'est bon, ça fait quoi? Ça fait bah en fait, ça, les buffles te suivent quand tu fais ça. J'ai pas compris les murs. Non, mais là, bah non. Tu en fait, je voudrais des pierres. Parce que je suis trop loin. Ah bah merci, mais tu l'as fait. Ah d'accord. Bah, attends, okay. Mais c'est où le deuxième? Ok. Ça fait des bah... Une fois que j'ai fait les pierres taillées, il faut aller je sais plus où pour faire les murs. Ça doit être là. J'aurais dû mettre un ping, putain. Oui, c'est vrai. Ils sont tous morts, je pense. Mur en pierre. Oh, mais en fait, il a tué 2 campements. Et après. C'est ça que je comprends pas, elle est où la deuxième viande, enfin la viande du deuxième campement? Parce que là il y a d'autres buffles.
mais il a tapé sur tous les murs. Regarde Gaston, tu vois genre la différence entre les deux. Non, non, oui. Les murs ils ont servi. Hein. Oui. Heureusement que t'étais là. Hein. Nord-ouest de la première. Ouais, mais Nord-ouest qui avait rien. Laissez-moi au moins avoir ça. Putain. Putain, pardon. Les Allemands attaquent! Vite! Protégeons-nous des murs! Vite, merci! T'as cliqué dessus, t'as dit que mon mur était bien, je m'en fous. Mais y'a peau! Y'a peau, hein! Ah, y'a du pourri là. Oh non, c'est un lapin qui a pourri! Il est fou! Bon, bah, on peut taper les araignées. Ah, j'arrive. Merde, j'ai tapé avant de mettre les traps. Moi j'ai plus de place du tout. Hein. Putain, 19 viandes de buffles. Bam. 19 buffles qui se sont sacrifiés pour nous. D'ailleurs, il est où le gros monstre ? Bah, je sais pas d'ailleurs, tiens, il est où ? Il erre. Il doit errer. Il est sur nous quoi. Attention parce qu'elles sont beaucoup. Hein. Efficace tes pièges là. Bah, je les ai pas encore mis en fait, je t'ai dit. Du coup, forcément. J'avais farmé des pierres. Attends, j'en ai. C'est vrai ? Oui. Oh là là, ce strike. Merde. Wow. Non, après moi c'est tranquille, je te dis, je tank bien, je régène bien. Ouais, mais tant qu'à faire, c'est gratuit. Oh, merci. Allez, je... T'as de la place pour la viande de monstre ? Ouais, ouais, j'ai. Je t'en fais encore deux, alors. Je la laisse par terre. Attention, les jaunes ! Oh bah, y'en a qu'une. Ah bon ? Bah. Ah, j'ai froid, tiens. C'est vrai que c'est l'hiver. Tu veux mettre des murets ? Non, non, je te regarde. Oh, j'ai faim, je meurs de faim. Mais pourquoi tu fais une ligne comme ça? Parce que c'est une grande maison. Okay. Ça remonte tout doucement. Ça c'est le nord de la maison. On n'a pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini. Faut que je le fasse suffisamment grand pour pas qu'on m'insulte une fois que j'aurais mal posé mon mur. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on l'insulte. Oui. La dame. Quoi? La dame, elle a dit, on l'insulte. Ah ouais. Oh, c'est bien. Oh, putain, mais ça spawn à l'infini, qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Je suis très fier de mon mur. Tu peux enlever ton chien, Gaston? Badger, reviens là. C'est Chester. Oh merde, mais la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Est-ce que oh, il y a une panique? La main, c'est la merde. Moi ça fait une demi-heure, j'ai envie de pisser. C'est vrai? Ouais. Ah, mais vous voulez faire bon. Pips? Ah mais je me retiens là, c'est bon. Ça fait travailler la vessie hein. Ouais, c'est ça. Ça cause surtout des... Je sais plus comment on dit là, des trucs de... C'est pas bien, faut pas se retenir. Pas bien non. C'est vrai, faut pas... Même un petit peu. Ouais, ça fait des bactéries, ça fait des... Putain mais c'est quoi le truc que les meufs font? Oula. Des cystistes. Des quoi? T'as dit quoi, Gaston? Des cystites. Je crois que t'avais dit des syphilis, j'étais en mode. Ah, non. Pas vraiment. C'est quoi? Ça fait quoi? Des cystites, ouais. Bah, ah, la maladie du pipi qui pique? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Genre, tu pisses, on a l'impression que t'as du verre, quoi. Ah, vraiment? Ça fait trop mal. C'est des verres? Non, du verre, des bouts de verre. Genre, en fait. T'as des petits morceaux de verre qui font chlung, chlung, chlung. Alors, non, c'est pas le cas, mais t'as l'impression, t'as la sensation, et ça fait trop mal. Et tu pisses du sang aussi. Ah bon? Quoi? Mais vraiment? Non, mais si, mais déconnez pas, allez pisser, hein, c'est pas un truc. Ma mère, elle en faisait souvent des cystites. Horrible. Mais c'est pas. Mais attends, mais ça, c'est parce que. Attendez. Calmons-nous déjà. Et puis. C'est parce que tu te retiens de faire pipi que t'as des cystites? Non. Ça peut. Ah. En fait, tu retiens ta pisse, du coup, tu retiens un petit peu. Bah, t'es. Je sais pas, c'est pas le bon mot. Les bactéries, mais tout ça. Voilà, ouais, quoi. C'est ça. Tu peux faire une infection urinaire. Ça stocke et ça peut foutre la merde, quoi. On est d'accord que les cystites, c'est aussi un truc qui arrive si tu veux pas faire pipi. Si tu vas pas faire pipi après le sexe. Oui. Bon. Voilà. Ah ouais, il paraît. Et je crois pour les. Bah, je sais pas si les mecs ont des cystites ou pas, mais pour les mecs, c'est. Moins que les femmes, parce que les femmes, c'est plus proche. Enfin, les. Ouais. Voilà, les trous. Mais monsieur, il faut aller faire pipi hein, après le coït. J'ai jamais eu de cystite de ma vie. Moi non plus. Bah, moi non plus, mais. J'ai jamais fait l'amour aussi, donc du coup. Bon, bah. Je touche du bois. Oui, mais tu fais pipi. Oui. Bon. Voilà, un peu. Du coup, t'es peut-être. Peut-être tu pourras en avoir. Oh, ça fait trop mal, c'est horrible comme truc. Hein. Ok. Eh bien, merci à tous et passez une bonne fin de journée. Voilà.
Voilà, après, vous pourrez parler un peu des cystites au travail après. Ah non, mais il faut le savoir. Pour les mecs, l'urètre étant plus long, il y a moins de risques. Mais quand ça arrive, c'est toujours compliqué, on me dit dans le chat. Ah bon? Ah ouais. Qui c'est qui t'a dit ça exactement? Je suis pas sûre d'être à l'aise. Le fait d'afficher les personnes. Mais c'est un monsieur, du coup, je présume. Travaille pour Google, là. Allez, tu laisses les cornes là? Ah, on refait une journée? Ok. Non. Je regarde au PFR son mur. Merci. Bah regarde, ça fait déjà... Est-ce que vous pouvez me faire une boulette, s'il vous plaît, parce que je décède? Oui. Je crois qu'on a plus à manger. Faut en faire. Ah, on a plus de viande. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'en fait on était parti, je viens de me souvenir. Ah bah voilà, j'ai deux boulettes, mais c'est tout. Je suis coincée. J'ai 8 Monster Meat. Je veux bien de la boule. Oh, waouh. Waouh. Je veux bien les boulettes, s'il vous plaît. Pareil, j'ai très très faim. Ok, bon, je vais faire à manger. J'ai vraiment envie de faire pipi. Est-ce que je me retiens avant tout mais ça? Mais non, la cystite. Mets-toi au campement. Mets-toi près du campement et c'est bon. Voilà, c'est bon. On a fait de la bouffe. J'ai 7 de faim. Oui, bah une meatball chacun et c'est parti. Oh non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il y a encore l'autre. Barrez-vous. Il est où? Il est où? Attendez, c'est trop. Prends une meatball pour moi, c'est un supplice. Non, 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 reste, mange, viens manger la meatball. Je vais le choper dans le camp. Ok. Donne-moi ton. Tu veux mon casque? Pas la casque, ouais. Je crois qu'il est où on est, Gaston? Je vois pas. C'est bien sûr. Dès qu'il a spawn, je vais le taper pour l'empêcher de casser quoi que ce soit. Je refais c'est bizarre qu'il spawn deux fois dans l'hiver. Je te donne trop loin, Gaston. Peut-être. Ouais. Mais ça va, je vais pas être en retard, restez quand même. Allez, je saute. Non. Il nous aura pas là-dedans. Ah oui. Attends, on l'entend plus là, c'est bizarre. Bah, il est peut-être qu'il suit OP, hein. Ah ouais. OP ou Gaston. Tiens, il y a une boulette pour toi si tu veux, Pantouf. Oui, okay, merci. Cystite. Y a de la pourriture, y a de la pourriture, les gars. Ah, oh, trop bien. Comment on fait déjà? Oula, ça bouge chez nous. Ça tangue. Ok, si ça tangue, c'est qu'il est chez vous. Il est chez vous. Ah bah, faut peut-être Gaston. J'arrive, je vais essayer de le buter. Je connais un endroit où il y a des tentacules. Ah non, on y va pas. Hein. Ah bon? Les tentacules, ça peut pas le baiser l'autre? Et t'as un pour ça, pas beaucoup. J'ai peur. Hein. Ouais, mais tu risques aussi de te faire défoncer quoi. Ah, il y a des nains. Oui. C'est ça. Il faut pas rire comme ça, putain. Il y a des nains. Bah, faut ramasser les nains. Je vais pisser, tu me protèges. J'en peux plus. Ah. Gaston, protège-moi. Yes, ok. Une on va mourir. Elle est partie. J'arrive. Je la protège pas. Ah bah, c'est cool. C'est parti. Hop là, on est full vie. Je fais des seringues pour vous, les copains. Bah, j'ai fait une seringue parce que y a pas plus. Gaston! Oui? T'es pas full vie toi? Non, mais j'en ai pas perdu beaucoup. Je suis à 113 max. Donc oui, ça mais va. Je veux dire. Ah, 113 max? Ouais, bah. C'est pas beaucoup quand même. Bah, je t'ai mis une seringue. Re! Pardon, j'avais trop envie en fait. Gaston m'a fait rigoler et je pense que. Voilà quoi. Très bien fini. Franchement, c'est chaud. Voilà. C'est bon. Ok, bah, j'ai pu faire qu'une seule seringue, y a pas assez de pourri. Du coup, il y a une seringue dans un des coffres. Mais il est grand ce sac. Oui, mais c'est un sac que de bonbons. C'est nul. Oui. Ça reste pas bon. Oui, la seringue dans le premier coffre à frigo. Ah, vous avez déjà fait une seringue? J'en ai fait une pour l'un de vous deux, mais je pouvais pas en faire plus parce qu'il n'y a pas assez de pourriture. J'ai 3 pourritures moi dans mon inventaire. Une grosse tache. J'ai une tache où? Sinon, je suis prête. Moi, je suis prête à déconnecter. J'ai fait tout mon travail, tous mes devoirs. Ah non, j'ai pas fait des fermes! Oh, on a plus de popo. Bon, oh, tant pis, fin du buzz. J'étais mute sur mon stream, quelle erreur. Aïe aïe. J'ai plus de sac à dos. Ouais, faut déco, capitaine à déco. Il est parti. Faut partir. Au revoir, OP. Ah, putain, mais je disais oui, moi, bah déco, moi, c'est bon, 18h30, et puis je vais faire pipi, je reviens. Ok, oh god. Attends, je crie. Non, mais c'est que du coup, on t'entend pas depuis 5 minutes. Eh ouais, pardon.
Mais c'est ok. Mais retourne juste... au camp, Gaston, on va mourir sinon. Venez, là. Venez, venez au camp et on se dit au revoir sur le camp. D'accord. Oui, c'est plus safe. Vous êtes où? Au camp. Voilà, vous êtes à l'est. On regardait des trucs. On arrive bien au bon endroit, là. Oui. Oui. Mais c'est dans le campement, ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est buggé? Qu'est-ce que c'est? Gaston, il y en a qui disent que t'es parti et que tu m'as pas protégé. c'est une info de chat, mais voilà. C'est pour ça que je regarde plus mon chat. Ça va, vous? ça tangue? Oh non! Ça tangue. Putain, ça tangue du campement! Oh non! Oh non, il est en campement à nouveau! Et j'ai 3 degrés, pourquoi j'ai 3 degrés? J'ai pas rechargé mon truc! Ah, je suis pas bien! Ah, je suis pas bien, on va mourir, voilà. L'autre il a déco, c'est fini. Nous on meurt, il va revenir, on va être tous dead. On est bien. Non, non, on est full mal, 0 degré. Ah, on est pas bien du tout, j'ai 50 HP, j'ai pas de quoi faire un autre feu. Je suis en train de friser. De quoi faire des torches, mais pas de feu. Moi. Je deviens un freezer. Je peux... Moi aussi, putain, est-ce que j'ai le temps de me faire une autre, il faut un feu une autre torche? Est-ce que l'un de vous peut faire un feu pendant qu'il est sur moi? J'ai pas de bois, j'ai pas de cailloux. J'ai pas de bois, j'ai pas de cailloux. Et moi j'ai tout, mais j'ai le mec au cul. Ah! Ok, attendez. Ah mais attends, je vais faire diversion, je me sacrifie pour vous. Putain. Non, te sacrifie pas. Oh là là. Oh, c'était... oh la vache. C'est pas passé loin. Oh, Badger. Il attaque Chester. Je perds ma vie, vite, le feu, vite. On a fait diversion. Vas-y, fais le feu. J'allume un putain d'arbre, sinon. C'est bon. Je pourrais allumer l'arbre. Comment on fait? Il va casser le feu. Il va casser le feu. Ah. Je sais faire. Oh, les mains. Mais quel est notre prêt du feu pour vos putains de trucs de pierre thermale? Je sais plus là. Ah ouais, mais attends, partir. Je brûle. What? Oh, elle a brûlé. Elle a mort du feu. Elle a brûlé. Merde. Comment on va faire? Oh putain, mais en plus tout ton staff prend feu. Oh non! C'est horrible! C'est horrible! Et Pantoufle qui va revenir! Il est parti 4 secondes! On va tous dead! Mais il s'en va au bout d'un moment ou pas? Faites comme si de rien n'était! Allez, on déco! Voilà! Voilà. Je peux pas le posséder. J'ai eu un problème aussi. T'es mort. Oh non, mais du coup il va venir sur moi. Bonjour. Hop. Oh. Et c'est la déco. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mort? Non. C'est vrai? Qu'est-ce ici? Il y a eu 2 morts, je crois, oui. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas notre faute. Je vais faire pipi dessus. Je déco, tu vois, quand je vous dis, on se rend pas compte. Je déco une minute, ils meurent tous. Ah, moi je suis pas mort. On n'est pas tous morts. Ouais. Oh, attends, mais... Ça a commencé là, avec OP. Là, j'ai les morts en combattant. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est immolé. Pas moi. Elle... Non, okay. Encore avec le feu. Bon voilà, ouais, prochain début de partie va être sympa quoi. Oui. Yes. Bah oui, parce que du coup vu que je suis la dernière vivante, il va venir sur moi le dire clope. Attends, mais moi aussi je suis mort. Bah non, mais j'ai non, déco, c'est vrai qu'à toi aussi. Eh oui, j'ai déco. Ouais, mais du coup on va reco tous les deux dans le campement et le mec va venir sur nous quoi. Il y a le dire clope. Normalement le dire clope, ouais, fallait juste courir et le semer quoi. Bah on a fait ça. En fait le problème c'est que j'étais la seule à avoir. J'étais la seule à avoir de quoi faire du feu et il m'avait focus. Ah. Du coup, le temps que je mette le feu, après il y a OP qui a dit rapprochez-vous du feu et d'un seul coup elle est morte brûlée. Et à partir de là, c'est parti en couille. Après il y a Lège qui s'est dévoué, il a pris l'agro. Et... J'ai voulu ramasser du stuff de OP. Je me disais, si je ramasse la pierre endothermique, bah je vais pouvoir lui redonner quand elle va revivre après. Mais. J'ai pas eu le temps.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça nous fera du challenge pour la prochaine fois. Ouais. Décidément, le feu, c'est pas notre pote, hein. Non. Et bah, merci, hein. À ouais. Mercredi prochain, du coup, peut-être. Merci à tous pour cette partie, c'était incroyable. Oui, à mercredi prochain. Bon, c'était cool. Ouais. À bientôt. À mercredi. Au revoir, les chats. Au revoir, les viewers. Et bon film ce soir, Gaston. Ah oui, bon film, Gaston. Eh, merci. Et bonne soirée à vous. N'oublie pas, hein, tu vas être en retard. Hein. Oui. Bisous. Au revoir. Bisous. Bisous. Je pense qu'on a été bon encore. Mais on est mort deux fois quand même. Bon, on se retrouve demain, de notre côté. Allez checker le planning, il est juste en dessous du stream. Vous pourrez regarder qu'est-ce qu'on va faire comme jeu, surtout du Civilization. Demain, il y a le match à 20h pour le tournoi 2v2 CVFR. Et juste avant, on s'entraînera peut-être un petit peu avec Disto contre Red Phoenix, encore une fois, et son acolyte.